Eh bien le bonsoir les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur la chaîne F1 RS Live. Nous allons vous proposer ce soir le Grand Prix de France de la Liga. Donc nous attendons notre très cher coéquipier Miguelito qui vient de me rejoindre. Bonsoir à Bonsoir. toi. Comment Je vas-tu? suis là. Bah, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va. Un petit peu fatigué, mais ça va, ça va. Oui. Faut dormir la nuit. Ah, il paraît, ouais. Il paraît. Les folies de son corps, c'est bien que la journée. Ah ouais, les deux aussi, c'est bien. C'est vrai. Hein. donc du coup, ce soir, tu es prêt pour ce petit GP de France, Oh là de oui. Liga? Tu as Oui, hâte oui. de voir ça? À Toué, parce que nous on a roulé sous la pluie, du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le sec. Ouais, moi aussi. C'est vrai qu'on n'a pas pu profiter pleinement de ce GP la semaine dernière en Ligue B, puisqu'il pleuvait bien. Bien le bonsoir, Gennaro. Comment vas-tu? Salut Grenoble. Bien le bonsoir à tous les amis sur le stream, évidemment. Alors attendez, évidemment, hein, je suis toujours le pire streamer, donc Ah, on ça va change pas. voilà, re-régler un petit peu la caméra, c'est mieux. Sinon, ça me coupe la tête dès que je m'avance un peu. Très bien, alors, donc ce soir, on a dit le circuit du Du Castellet. Castellet. Et ben, je te propose tout de suite d'analyser un petit peu le circuit, qu'en penses-tu? Allons-y. Alors, normalement, si Je j'ai sais bien pas si bossé. tu as eu le tour embarqué. Alors non, j'ai pas le tour embarqué, j'ai simplement le circuit Ah, ça, en je suis image. ouais, mais peut-être un peu tard, mais j'ai le tour embarqué, si tu veux. Ouais, le temps de le télécharger, de le mettre, ça va être relou. Voilà. Qu'on va faire avec l'image malheureusement seulement. Alors ne prêtez pas attention les amis au nombre de tours sur l'image, puisque là c'est GP 100%. Donc je sais pas combien exactement il y a de tours en 50%, c'était 20... la semaine dernière, je crois, un Je crois truc que comme ça. c'était 27. Je crois qu'il arrondit à la valeur au-dessus en fait en cas de d'un nombre impair. D'accord. Donc là, on C'est a qui le DJ pour la réponse? 27 tours, d'accord, ok. Donc voilà, on a la ligne bah, du coup des stands, hein, qui est la ligne de départ. Tout de suite, une première chicane, virage 1, qui offre du coup de belles batailles dès le début, hein. C'est vrai. Ça peut permettre à certains pilotes de gagner plusieurs positions très facilement s'ils arrivent à se positionner et à prendre un Comme il départ faut. correct. Et ensuite, on arrive sur une seconde partie beaucoup plus biscornue, je dirais, juste avant la zone C'est ça. de détection de DRS. Ensuite, une méga ligne droite où il faut très très bien réaccélérer, parce que mine de rien, l'engagement sur la ligne droite est Très assez long. technique, je trouve. Et... Oui, parce que tu arrives dedans en plein virage. Ouais. Et si tu gères mal, bah tu sors de la piste et tu te prends un avertissement. C'est ça. Et si tu gères mal de l'autre côté, tu spins. Donc Oui. faut vraiment la prendre correctement. C'est vrai que c'était pas facile la semaine dernière sous la pluie, ce virage-là. Personnellement, c'était le virage qui me posait le plus de problèmes. Moi, c'était pas celui-là, c'était dans la partie biscornue après le virage entre le virage 3 Ouais, 3, 4, et le 5. virage 5, ouais, voilà, 3, 4, Ouais, 5. c'est vrai que La pluie, c'était c'est vraiment pas simple. compliqué. Ouais. Tu te faisais facilement emporter vers l'extérieur du virage C'est 4 ça. là. Et après, du coup, tu étais méga mal placé pour prendre le 5. Donc c'est assez compliqué. Et ensuite, bah, on arrive au bout de la ligne droite, chicane, virage 8 et 9. Pareil, très très gros freinage. Mais on peut passer quand même relativement vite hein, dans cette chicane. Oui. Surtout que là, bah, voilà, on va être sur le sec. On va parler hein, d'ailleurs de la météo après. Les amis, ne vous en faites pas. Mais sur le sec, on peut passer facilement en quatrième, je crois. Au niveau du rapport engagé. Et ensuite, on attaque bah, du coup le dernier secteur, hein, le secteur 3, qui est très sinueux, avec une Et ouais, c'est un... rapide quand même. Ouais, c'est rapide mais sinueux en même temps. C'est vrai que c'est assez complexe aussi cette dernière partie de circuit, où ça va très vite, mais ça tourne quand même pas mal. Et Effectivement. ensuite, voilà, on arrive à l'épingle presque, je dirais, hein, dans le virage 15, juste avant la ligne droite. Et du coup, repasser voilà, devant les stands. Alors, ensuite, bah, je te propose un petit point météo si ça te va. Eh ben, ça va très bien. Alors, bon, je vais garder l'aspect du circuit. Alors, la météo. Donc, pour les qualifications. Alors, il me semble que qualification, c'est météo dynamique. Dynamique, effectivement. Donc, au bon vouloir du jeu, hein, si le jeu décide qu'il devra pleuvoir, Il il pleuvra. pleuvra. Voilà. Et la course se déroulera sous le soleil. Effectivement, éclairci.
Alors, la piste sera pas forcément très très chaude, mais en tout cas, il fera sec Il sera normalement. meilleur. Parce qu'après, ça reste dynamique pour la fin de course, je crois aussi, hein, si je ne m'abuse. Le temps peut changer, non? Le temps peut changer, effectivement, mais normalement, si tu mets éclaircie, c'est rare qu'il y ait de Ouais, la c'est pluie. rare que ça tourne à la pluie. Ouais. Et Green Arrow qui nous disait 4 et 5 sous la pluie, c'est galère. Effectivement, hein, le virage dont on parlait, où toi tu disais que tu avais du mal, c'est vrai que c'est Effectivement, compliqué sous la c'est pluie. une zone un peu galère quand même. Mais voilà, comme on disait aujourd'hui, du coup, normalement, il ne devrait pas y avoir de pluie, sauf peut-être en qualif, vu qu'on laisse en dynamique. Possiblement en qualif. Mais la course devrait se passer sur le sec. Alors, ensuite, bah, je te propose un petit récapitulatif du classement constructeur. Alors allons-y, je vais juste le chercher. Tac, moi j'ai tout bien J'ai mis. préparé cette semaine. Je me suis pas trompé de circuit au Ah. niveau de l'image, déjà c'est pas mal. Déjà beaucoup. Hein. Ça évite d'avoir la J'ai bien marche vérifié parce que je me suis dit, en faut catastrophe. quand même pas que je fasse deux fois la même. Une fois ça va, deux fois par contre, bon. Voilà, c'est ça. Alors, Alors. c'est parti, classement constructeur Liga, ah, déjà. Voilà, donc on peut voir As qui est en tête. Hein, Voilà, et l'avance s'est réduite petit à petit, mais Avec toujours 66 points 66 d'avance points hein, d'avance, hein. sur Renault, ils sont C'est quand toujours même énorme. très très forts. Hein. Ces pilotes As, si seulement ça pouvait être comme ça IRL, ce Oui, serait différent. je doute. Mais voilà, As qui est loin devant. Mais bon, après, rien n'est joué. Hein, il reste 4 GP, je crois, en comptant celui-là. En comptant Donc, celui-là, il reste effectivement 4 Grands Prix. ouais. Ah bah oui, c'est affiché, je suis bête. Je suis un peu fatigué, hein, faut me pardonner les amis. donc voilà, rien n'est joué. Et ensuite, c'est un petit peu plus serré au niveau bah, du coup de Pour la troisième place. McLaren-Mercedes McLaren-Mercedes et AlphaTauri qui sont. De McLaren jusqu'à Racing Ouais, Point. même Racing Point, ouais, t'as Il y raison. a 29 points d'écart. Il y a seulement ouais, à peine 30 points d'écart. Et 30 points, hein, c'est une victoire, hein, C'est mine de rien, rien. c'est une victoire. C'est simplement un podium face à un adversaire qui ne finirait pas dans les points ou alors pire finirait hors course, et bah ça Voilà. peut être très vite rattrapé, hein, 30 points. Ça peut être très très vite rattrapé. Et après on retrouve un peu le bas du tableau qui est très très loin. Ferrari, Williams, Red Bull et Alfa Romeo qui. Alfa Romeo qui est en bataille avec Red Bull. Oui, ils sont à 3 points d'écart seulement. Donc Non, 8 points. Alfa 8. Romeo Red Bull, c'est 8, 28. Alfa Ah oui, Romeo 28, pardon, pardon, Red Bull 20. j'ai lu Williams Red Bull, effectivement. Et Williams Red Bull, du coup, qui sont à 3 points d'écart seulement. Donc c'est C'est pareil, vrai, c'est serré, hein, mine de rien, c'est c'est serré. serré, ouais. Il y a juste Ferrari hein, qui fait un peu pas le figure lors de cette Ouais. saison 2 de la Ligue. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, rien n'est joué, hein, ils peuvent remonter. Ils peuvent, si Peut-être jamais que. ils arrivent à enchaîner des victoires Peut-être que justement de cette manière, sur ce voilà. GP à domicile, Cocorico, ils vont se réveiller. Bon, Ferrari, c'est pas trop. La France, mais je veux dire, les pilotes sont français, donc Oui. peut-être que ça va aider. Qui Ou sait? peut-être que pour le Grand Prix national de Renault, Peut-être que les Renault voilà. vont nous proposer un beau spectacle. Bah, du coup, je propose de regarder un peu le classement des pilotes. Allons-y, je retourne sur le classement pilote, c'est parti. Hop, hein, voilà. Alors, toujours très serré entre DJ et Bigood, hein. Oui, Bigoud qui est bien remonté, qui a Il fait n'y a de plus très belles courses que dernièrement. 23 points d'écart, hein. Ouais, ça se joue pas grand-chose. Bigoud peut largement jouer le podium. Hein. Et Oui. DJ, le podium, bah, du coup, ne lui est pas du tout assuré. Il va falloir y aller, hein, Et les il me amis. semble qu'à Il va falloir se Monaco, c'est battre. la première fois que DJ finit hors du podium, hein. Ah oui, il a fait. Non, il a fait 12 points. Ah Il oui, a non, fait hors 12 du points, donc podium. c'est Oula, quatrième. j'ai vraiment du mal, mon cher Michelito. Faut que Pas je me réveille. grave. Je croyais C'est qu'il disait qu'il était sorti des points, mais je me dis, non, non, mais. non, hors du podium. D'accord. Et ça lui Je aura vais prendre passe. la quatrième Bienvenue. place. Donc voilà, on a du coup DJ Bigoud et JB sur le podium pour l'instant. Voilà. Avec, bon, quand même, JB qui est à 70 points de son Avance sur le homologue. Hein. troisième. Hein. Ah. Donc ensuite, on a. Putain, je vois mal sur mon truc. Lundgren, On a le Ungred, ouais. Alors mon nouveau attends. pilote, qui est quatrième du choc, qui Voilà. était remplaçant avant, et qui s'est retrouvé Effectivement. titulaire Alfa Romeo. Effectivement, il y a un très bon pilote hein, qui a tout de Oui. suite monté en haut du Tout de tableau. Hein. suite dans le rythme. Hein. Ensuite, on a On a juste Guanzhou. Lucifer. Lucifer Guanyu. Guanzhou, oui.
qui est à 4 points de la quatrième place avec 40 points. Ouais. Bah, tout ce qui est. C'est Ouais, ultra la serré, quatrième hein. place, c'est très serré, hein. On a 44, 40, 38. Ouais. Donc, on a trois pilotes qui sont très très proches au niveau des points. Si Kix n'avait pas eu un DNF, il serait en bataille Il serait peut-être même pour devant la. Lundgren, ça Il se serait trouve. peut-être même devant Lundgren, hein. Ouais, ça. Donc, bon. À lui de nous proposer une belle course ce Belle soir. course. Voilà. Et Ensuite, nous ensuite, avons Zereven. Zereven, ouais, qui fait de belles perfs aussi hein, cette saison, Voilà. Zereven. Malheureusement qu'il n'a pas fini la Avec précédente un course. podium, hein. Mais oui, il nous a fait un À podium. Bahreïn. Voilà. C'est pas rien, c'est pas rien. Ensuite, on a Kilachu qui bah, il venait juste d'arriver. Il est arrivé, il a explosé Voilà. tout le monde et voilà. C'est ça, il a mis 3 tours d'avance à tout le monde. Et... enfin non, j'exagère, mais. Prendre un bon Mais tour. il a bien écrasé tout le monde à Monaco il y a 2 semaines. Ouais. Et il arrive à choper du coup la 8e place en un seul GP au Ouais, niveau c'est du bizarre. classement des pilotes. Donc à voir, à surveiller ce pilote. Hein, Je qui. sais pas s'il roule encore ou pas Ah, pour. Ouais. il n'est pas titulaire, je croyais. Non, c'est un pilote remplaçant. Ah, d'accord. Alors attends, on va regarder un peu la line-up. Tac, tac, Alors que je tac. regarde Romain Zenis. Et je Oui, crois qu'il a Chou. alors Kilachu, je sais plus quelle voiture il a pris la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines. Voilà. Et là, je le vois pas dans la line-up, J'ai plus effectivement. riche. Non. Il doit pas être là ce soir. Je sais plus pour qui il roulait. Ah, je sais pas non plus. Puis en plus, sur le classement, on ne le voit pas. Donc, je me demande s'il n'était pas chez AlphaTauri, non? Si, il était chez AlphaTauri, il me Ouais. semble, à la place de Béchamarin. Ouais, quelque chose comme ça, ouais, je crois. Ce Béchamarin n'était pas là. Et merci beaucoup pour ton follow, Gouloum13. Bienvenue, frérot, ça fait très plaisir. Bienvenue, bienvenue. Et bah, ainsi se termine le classement, puisqu'après, on retrouve toute une partie des pilotes très très proches, qui sont entre 15 Je et 10 points, pour en gros la voilà. 10e place à peu près. Pour la 10e place, On a ouais, du on 9e pilote de a Lens. oula, Jusqu'à on a Hendrix, tout le monde a le... enfin même jusqu'à Provençal, tout le monde a le même nombre de points quasiment quoi. ils se tiennent en 9 points. Ouais. Donc rien n'est joué, hein. Il y a encore des pilotes Ça qui va même peuvent pas jouer jouer. la 9e, 10e place sur le classement pilote. Et ensuite bah, on retrouve les pilotes du fond de grille. Alors Baptou les remplaçants, je crois. Pas tous les remplaçants. Kusai, Riak, Zikov. Alex Famas, Opti ou Maverick, à vous de choisir. Et Schumacher. B. Schumacher. Voilà pour bah, du coup cette petite présentation de la course. En tout cas, j'ai bien hâte de voir tout ça ce soir sur le Castellet. Alors, bah écoute, je vois 22 sur 22 dans le lobby. Je pense que Tout la le monde, course ne va pas tout le tarder. monde a. Il manque une AlphaTauri. C'est B. Schumacher. Ah bon? Je vois 22 sur 22 dans le lobby. Parce qu'on est là, nous. Ah, ça compte les specs? Ah, tout le monde est là. Ah, Mais B. il est Schumacher n'a là, pas mais il n'a pas de pris voiture. sa voiture. Il est là, mais il n'a pas pris sa voiture. Il n'a pas sélectionné la voiture. Alors. Il se fait gronder d'ailleurs. Bah, c'est toi qui le gronde. C'est moi qui le gronde. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Quatre chaînes et décevantes. Béchamarra avec sa voiture, donc on va pouvoir y aller. La course va bientôt se lancer. Hop. Alors, je vous mettrai le jeu, les amis, une fois que le chargement sera lancé. Comme ça, vous pouvez apprécier le superbe corps, non, c'est de l'autre côté, de Michelito. Et Voilà. ma bouille adorable. Je suis allé chez le coiffeur avant-hier. Je sais pas ce que tu penses Ouais. de ma petite coupe là, mon cher Là, j'allais Michelito. faire un tour parce que là, moi, Mais ça ah, devient un peu. ça vaut le coup d'œil, hein. Franchement, 22 euros pour ça, ça fait plaisir. Ouais, il y a besoin d'un grand coup de tondeuse parce que j'ai les cheveux qui poussent vite. Ah oui, toi Et aussi. qui peuvent vite se retrouver très longs. Ouais, pareil, ouais. Je suis obligé d'y aller Du coup, tous les deux dans le mois grand train avec maximum. le casque, j'ai le casque qui glisse à cause des cheveux. Ah oui, à ce point-là. Enfin, Ah, moi, je suis pas à ce point-là quand même. Hein. Je suis pas à ce point-là. et Ça va. disons que quand je fais du vélo, j'ai les cheveux dans les yeux. Pas Ah très oui, pratique. c'est pas fou, quoi. Alors, ça met de go dans le général.
Donc on attend que les pilotes se mettent ready. Ça devrait Salut y Horizon. aller. Et bienvenue Horizon, comment vas-tu? En cette belle soirée de dimanche soir. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ah remarque, il est Ah ouais. 58, hein. Ah ça y est. Ça y est les amis, le lobby se lance dans 27 secondes. Tenez bon, la course arrive. Et surtout les qualifications. Ça va et vous? Bah écoute, nous ça va. Ce soir on a hâte de spectater ce petit GP de France. C'est. Ouais, on a hâte. On a hâte. On a hâte de voir ça. De profiter d'un GP qui est sec par Surtout, rapport à la semaine dernière. Ouais, j'étais un peu frustré quand même, moi, je dois l'avouer. La semaine dernière, faire toute la course sous la pluie, ouais, c'était. en plus, comme c'est un ça pardonne plus, c'est un parking, enfin, c'est oui, c'est un circuit parking, donc du coup, les erreurs se payent Oui, moins cher. tu peux quand même sortir de la piste parce que c'est très large. Mais bon, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir profiter d'un si beau circuit Voilà. sur le sec, quoi. Voilà les amis. J'aimerais tellement faire les plus chères de la ligne droite. Ah ouais? Ah bah je trouve que ça rajoute. Parce que sinon, y a plus qu'une ligne droite, quoi. En fait, non, c'est vraiment pour voir jusqu'à quelle vitesse les F1 peuvent aller. Bah c'est 3,50 Pour hein, grand pousser les maximum. moteurs à fond. Oh, les moteurs ils sont quand même à fond hein, même là-dessus hein, je pense. Hein. Oui. Ah, je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait demander à l'expert Béchamara, mais il y a peut-être moyen de les pousser un peu plus. Allez, je vous mets le jeu les amis. La partie commence. Hop. Vous retrouverez nos petites bouilles à la fin du GP. Voilà. Comme ça, vous pouvez magnifiquement profiter d'un écran noir avec un veuillez patienter en haut à gauche. Alors, Nezoxy qui nous demande ce qu'on a pensé du GP d'Imola aujourd'hui. Alors moi, j'ai regardé qu'une moitié. Je sais pas si tu l'as regardé, Bah toi. franchement, personnellement, je regarde en entier. Et Ouais. un truc à dire, c'est que Hamilton, même quand il fait des conneries, il a toujours de la chance. Alors moi je me suis arrêté juste avant l'arrêt de la course et j'avais vu qu'effectivement il était sorti de la piste et apparemment grâce à l'arrêt de la course il a réussi à remonter deuxième, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors lui, quand il le gagne, enfin. Quand il y a une catastrophe, eh ben il a toujours la chance de ne pas être impliqué et de Et. ça arrive juste après que lui-même ait fait une erreur. Mais sinon, c'était une belle course. Alors, bah ça commence à sortir des stands. Alors, faut que je vous mette le menu correctement. Type de caméra, TV prod. Alors, meilleur tour, détail. On met les pneus, télémétrie activée, données au tour activées, carte du circuit, carte complète. Alors, qui c'est qui est sorti actuellement? JB. Alors, Oh, JB. ok. Voyons voir le petit JB. Ah bon, il allait faire très très beau hein, sur ses qualifications. En Du fait, coup, j'aimerais c'est bien que. JB, ouais, c'est JB qui va enquiller le premier tour de qualification, les amis, pour ce GP Voilà. du Castellet. Alors, on a quand même déjà 4 pilotes hein, qui sont sortis en jaune, je vois. Effectivement, Alors, ils sont pas. Si, il y a je Zereven vois qui est sorti, mais le reste est Ovi en au jaune. box. On a Riak, Romain et Lundgren qui sont en jaune, mais ils sont encore au stand pour le moment, donc ça ne veut pas Rien forcément qu'en dire. jaune. Riak est en tour de sortie au jeu, en. Ah ouais? Non, et au stand en jaune, ouais. On a Chomi aussi qui est Non. en jaune. Rien que je le vois Ah bon? en soft. Ah, moi je le vois en jaune. Pour moi, en jaune, il y a Opti. Lundgren et Romain. Moi j'ai Opti, Zereven, Chomi, Riak, Romain et Lundgren. Pardon, qu'est-ce Ouais, que. ça va peut-être se mettre à jour une fois qu'ils sortiront des stands. Allez, c'est Ah parti, oui, le petit JB effectivement, qui oui, pardon. s'élance. On va suivre ce C'est juste tour. que je suis en détail. Ouais, je sais pas si ça vient de se mettre à jour chez moi. Attention, première chicane, hein. C'est là qu'on peut gagner énormément de temps. C'est bien négocié, je pense. Attention, gros freinage ici. Il faut couler en même temps. C'est là que c'est très très dur, hein, tu disais. Ici, c'est ça glisse. Ah, il nous a passé deux rapports d'un coup là pour avoir une meilleure réaccélération et éviter de spin. Enfin, de perdre un petit peu l'attraction. Enfin, on va pouvoir voir hein, la vitesse maximale dont tu parlais.
330. 330, 31. 331 quand même, hein, c'est pas mal. Pas mal du tout, ouais. Une bonne réaccélération ici. Oh, il passe ses rapports plutôt vite, je trouve. Ouais. Ici, c'est un virage qu'on prend à pleine balle, évidemment. Sauf sur le mouillé, non? Sauf sur le mouillé, ouais. Sur le mouillé, si tu le prends à pleine balle, oui, tu peux. Il a bien réussi à choper la corde ici, c'est pas mal. Allez, il est presque au bout. Reste la partie un peu technique là. C'est bien négocié. Allez, grosse réaccélération là. Et il va nous signer le premier temps de cette session. Et un 1:28.484 de la part de JB. Allez, on va tout de suite aller sur. Sur qui on peut aller? On a Xiaomi qui est en tour de sortie, tiens. Qui est Xiaomi d'ailleurs? Est-ce que c'est quelqu'un qui a. Peut-être remplaçant, il remplace Alex. D'accord, ok. C'est leur Z. Eh bien, il vient de s'élancer, on va regarder ça tout de suite. DJ Oula. qui vient de rouler 27.5. Effectivement. Alors, il a un petit peu raté son premier virage, le petit Xiaomi là. Et sachant que Chemi est quelqu'un qui roulait avec 4HO et B Schumacher il y a très longtemps. D'accord. Il bloque énormément ses pneus et je crois qu'il est sorti de la piste malheureusement. Très légèrement. Alors je sais pas Si si vous. son tour va être annulé ou non. Alors on a Zereven et Opti hein, qui ont signé des temps en jaune du coup. Et qui sont pour l'instant à 2 secondes de DJ. Il est plutôt bien en jaune, hein, 29.752. Ouais, c'est pas mal quand même, ouais. Mais c'est quand même quasiment à 2 secondes de DJ. Oui. 2 secondes sur un tour, c'est monstrueux. Ah ça, la bigoute qui coupe tout droit. On va finir ce petit tour de Xiaomi pour voir ce qu'il peut nous proposer quand même. Oh bah là, ça, à mon avis, c'est tour annulé là, malheureusement pour lui. Je pense que ça ne validera pas son tour. Allez, on va passer sur quelqu'un d'autre. T'as quelqu'un à proposer là qui est en tour actuellement? Voyons voir, il y a L4HO qui est Le en tour de fameux sortie. L4HO, le voilà. Eh ben il s'élance justement. Allez, c'est parti pour ce pilote AlphaTauri. Et Chomi a fait un 31.5. Et son temps n'a pas été annulé, c'est assez incroyable. Moi, bon, il a quand même perdu Oui, il a 4 perdu beaucoup de secondes. temps. Donc bon, va falloir qu'il refasse des tours. Et énormément de pilotes tentent les tours en jaune, hein. Je suis assez étonné. Ouais. Est-ce que ça peut être une bonne stratégie, hein? Ah, ça peut être une bonne stratégie si tout le monde ne fait pas ça, en fait. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a Voilà. déjà la moitié de la grille qui a chaussé des jaunes. Il faut pratiquer à des jaunes, ouais. Ouais. Et du coup, bah, inévitablement, dans le top 10, Oui. s'il y a 10 pneus jaunes, ça ne sert plus à rien, en fait. Ben voilà. Ouais, je pense qu'ils C'est un coup essayent de et qu'après, ils tenter. vont chausser des rouges, Voilà. s'ils sont en dehors. Alors, 4HO hein, qui propose un tour plutôt propre pour l'instant, je trouve. Ah, il a peut-être mordu là. Là, je crois que c'était limite. En tout cas, moi j'ai vu son pneu avant gauche derrière la ligne. Ouais, mais j'ai l'impression que tant qu'on voit pas de pénalité affichée. Ah, tu crois que ça marque le tour annulé? Bah écoute, on peut aller jeter un œil. Hein. Ouais, je sais Va pas s'il donne les rentrer. pénalités. Non, il donne pas les pénalités pour l'instant. Va rentrer dans cette dernière ligne droite. Alors, quel temps va-t-il pouvoir nous proposer? Oui, il va être très loin, j'ai l'impression. Très très loin. Ouais, une Ouais, 30-50. il Donc, ça lui assure la 14e place pour le moment. de DJ, hein. Alors, Et qui le c'est. pilote Romain Zeny a fait le deuxième temps. Ah, oui, pas mal pour Romain, effectivement. Ouais. C'est son deuxième GP, si je ne me trompe pas, Romain. Je crois, oui. C'était son premier GP la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Voilà. Oh, ouais. Alors, on a le petit Opti qui est en tour de sortie. Ouais, il est encore au début de son tour. Alors, on va voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Lungret peut-être. Ce qui m'étonne, c'est que à Provençal est en tour de tour chrono. Ah, bah regardons ça. Ah bah il a dû lâcher.
Parce que là, il avance plus. Ou alors, il va faire son tour là. Il va probablement, Mais ouais, j'ai je pas de pense. pénalité, donc normalement il y a Ah non, tout le puisque ça a monde. validé son temps à 4 à chaud, donc. Ça, il a pas dû mordre, ou alors ça a pas compté. Non, mais je veux dire, je vois pas de pénalité de départ. Ah oui, d'accord, oui. Les gens qui seraient privés de qualif et des trucs comme ça. Allez, c'est parti pour notre cher Provençal qui s'élance dans cette première ligne droite. Attention, le DRS, c'est pas mal. Allez, la grosse Lulu. Allez, qualifie-toi dans une bonne place, mon cher Provençal. On compte sur toi. La team Ferrari est avec toi. Parce que se faire battre par l'écurie client, ça fait mal quoi. Ouais, voilà, je l'ai vu mordre un peu. Alors, je sais pas si ça va l'annuler ou pas, mais Oh là 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 là. il a un petit Et peu là, son temps, dérapé à là. mon avis, sera loin. Il a dû perdre 1 ou 2 dixièmes Ouais, en glissant. malheureusement. C'est là qu'il va falloir faire une très bonne réaccélération après la chicane ici. Ah, c'est pas mal. C'est très propre, hein. C'est plutôt propre, ouais, pour l'instant. À part le petit petite perte d'adhérence avant la ligne droite. Mais pour l'instant, ça va. Allez, notre cher Provençal, c'est presque fini. Tiens le coup. Allez, serre bien à gauche. Là, il faut attraper la corde. Voilà, au niveau du petit plot jaune, c'est bien. Ça glisse un petit peu, j'ai l'impression Ouais, quand même. il est un petit peu monté sur le vibreur. Je pense qu'il aurait pas dû. Allez, on y est presque. La dernière accélération. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous proposer? Je pense que le chrono devrait pas être trop mal là. Allez, une Ah bah 28, voilà. une sixième place pour l'instant pour le joueur. Provençal, le pilote, pardon. Sachant que tu devrais pouvoir gagner, je pense, sans ces petites glissouilles, au moins, ouais, peut-être Ouais. 3-4 dixièmes. Alors, qui c'est qu'on peut regarder d'autre? Riak se laisse lancer. Riak est toujours dans les... Ah bah il annule son temps en sortant. Comment... Ah, il commence à sortir, Riak, là. Riak sort. On On a a... Guanzio qui monte. Gianzio. Ah oui, il vient de commencer, on va regarder ça effectivement. Et Nisoxy qui nous dit si le tour est annulé, la map en bas à droite est en rouge. Alors c'est vrai, mais je sais pas si ça le fait en mode spectateur par contre. Effectivement. Je sais que ça le fait quand on conduit, mais quand on est en spec, je sais pas si ça marche. Ah, on pourrait demander à un pilote de faire exprès de gâcher son tour pour vérifier, mais bon, on va éviter. Voilà, bah Guanzio, si tu nous entends, si tu pouvais sortir de la piste s'il te plaît. Ah, merci. Ça va très vérifier notre théorie. Mais fais d'abord ton chrono. Et ah, mais c'est vrai que le temps, là, par contre, d'un seul coup, vient de passer Ouais, au... vient de passer au gris. Ah, il a lâché. Au gris. Ah, effectivement, Ouais. bah voilà, c'est vérifié. La map est en rouge en bas à droite, donc effectivement. Tu avais raison, Nisoxy. La minimap Et est puis rouge, vous donc avez il a annulé. Mais le temps est pas très beau là, je me demande s'il ne devrait pas pleuvoir dans quelques temps. Je ne sais pas. Je sais pas si nous on peut le voir ça. Hein. Non, je suis pas sûr. Je sais pas s'il y a une fonction. Ah mais je peux switcher avec ça, d'accord, c'est trop bien. Je suis sûr. Eh bien le bonsoir Sulfurender. Effectivement. Bienvenue. Alors le petit Zikov là, qu'est-ce qu'il va nous proposer comme temps? Est-ce qu'il va réussir à améliorer son temps personnel qui est pour l'instant d'une 29-226? Alors il va terminer. Ah non, il vient d'entamer le secteur 3. Et il vient de mordre malheureusement. Le seul Il a pilote dans le mordu. en médium actuellement, c'est Lundgren. Alors. Effectivement, ils ont tous rechaussé des rouges hein, au final. Il n'y a que Lungred, mais Lungred en 10ème place, c'est pas génial, génial Non, d'avoir effectivement. des rouges. Raven qui est 4ème place, il est en tour chrono apparemment, je vais aller voir ça. Ah Non, non, il doit effectivement, rentrer là. Il va être en pas tour de de rentrée. rentrée. Alors qui c'est qu'on a en tour de sortie là? On a Schumacher, on a B. Schumacher et Bigood. Bah tiens, on va aller voir Bigood. On l'a pas vu encore ce soir. Ah oui, d'ailleurs, il y a Bigoud qui est loin. Oui, mais il a dû faire un temps en jaune, je pense, au début. Non, je crois qu'il était en rouge au début. Ah oui? Ouais. Ah bah peut-être qu'il a fait une erreur. On va voir ça. Là, il va s'élancer.
Merci, je vais m'entraîner. Peut-être bientôt ma première course. Bah, ce sera avec plaisir, Sulfurender. Avec plaisir. Allez, le petit bigoud qui s'élance dans ce tour de qualification. Attention, la première chicane. C'est pas mal. Ouais. Ouais, la réaccélération était très très bonne là. Ah, lui, il reste à gauche. Oula, et il a mordu, malheureusement. Eh oui, à trop vouloir rester à gauche, il a mordu. Alors, je pense qu'il va rester en piste tout de même. Il Ouais, reste 4 on minutes aura donc. 4 minutes. Ouais. Je pense qu'il va être obligé de refaire un tour avec ces pneus-là. Alors, qui c'est qu'on a d'autre en tour de sortie? On a JB. On l'a déjà vu, JB. Ce serait bien de voir quelqu'un d'autre. On a Snake. Je Alors. crois que Snake, on ne l'a pas vu encore. Ouais, Snake, on l'a pas vu. Il est dans la ligne droite pour l'instant. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de plus près? Clem. Clem va entamer son tour. Alors, on va regarder ça. Pilote Mercedes. Allez, c'est Et parti Famas, pour lui. si moi je vais me mettre sur bah, Famas juste derrière. Et bah, parfait. Ils vont se suivre. J'espère que Clem ne gênera pas le petit Famas. Noyo qui est dans la trajectoire. Aïe aïe aïe. Bon, ça va, il s'est bien écarté. Et malheureusement, Clem est sorti. Qui va lâcher son tour pour finir. Du coup, on va aller sur Alex. Famas, voilà, fait son tour. Ah bah, Alex a lâché aussi. D'accord. Et bah, ils lâchent tous. Qui c'est qu'on a d'autres en tour là? Peut-être. Tour de sortie, nous avons Zikov. Zikov. Le Grec qui persiste en médium. Effectivement. Il va tenter un dernier tour. Ben, on va regarder ça. Alors je sais pas pourquoi, s'il est sûr d'améliorer un médium, pourquoi pas. Bah là, il avait plus le temps de rentrer pour changer de toute manière. Je pense que c'est surtout à cause de ça. On a Linz qui sort en rouge, mais il aura peut-être pas le temps de passer la ligne. Le problème, c'est que ces médiums, ils ont un tour. Ouais, ils ont déjà un tour, ouais. Sais pas pourquoi il a persisté avec les médiums. Et Bigoud, hein, qui est de nouveau au stand, il n'a pas refait un tour avec ses rouges. Assez étonnant. Et pour l'instant, Bigoud en 16e place. Hein. Et malheureusement, Oui. Lungred qui mord à nouveau le virage. Et attendant de Romain Zenix. Effectivement. Alors, c'est dans les stands apparemment. Ouais. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Il garde sa deuxième place. Hein. Pour l'instant, personne n'a réussi à détrôner le petit DJ avec son 1.27.5. Romain n'était pas loin. Alors, on va retourner sur Clem, peut-être qu'il est en train de faire son tour. Ah voilà, il vient de passer la ligne, c'est parfait. Quel timing, hein. Vraiment des streamers professionnels. Provençal a quitté la session, Ah, il a bon. dû avoir une déco. Bah, Donc, pour dis-lui. l'instant, il est dixième. Et Riak, j'avais pas vu, Riak quatrième place, très bien ça. Ah, les Ferrari, La ils en ont Ferrari, régulière. les Ferrari en remontée, c'est bien ça. Très très bien. J'ai envoyé un message à Provençal. Ouais, je pense qu'il a dû avoir un crash, ça arrive de temps en temps avec ce jeu. Ça ne m'étonnerait pas, hein. Bugmaster, on connaît. Voilà, les salles uniques. Allez, la chicane, Clem. Négocie-nous ça bien. Et il a mordu, malheureusement, à nouveau. Ah là là, c'est terrible, hein. Raven, C'est pareil, qui doit terrible. être en tour chrono. Ah, allons voir le petit Zereven alors. Si je le trouve, le voilà. Ah, il est déjà sur la fin, hein, du tour, hein. Ok, donc Provençal a eu un bug du volant. D'accord, ok. On vaut mieux que ça arrive pendant la fin des qualifs que pendant la course. Non, non, Zik, c'est pas les McLaren, c'est les Alfa Romeo. Et Provençal a rejoint donc je pense qu'il a dû résoudre son bug volant. Zereven qui va terminer son tour, va-t-il améliorer son temps? Allez, Ruben! Et non. Non, non. Il a fait 0,046 dixième, centième, pardon. Dommage. De moins. Mais c'est Malheureusement. très serré hein, déjà devant. Effectivement, qui c'est qui pourrait améliorer? Peut-être Snake? DJ qui est en tour de tour chrono là. Ah, DJ est déjà devant, donc on va regarder Snake qui est en train de terminer son tour. Est-ce qu'il va réussir à gagner des positions ou est-ce qu'il va rester sixième? Et il prend la cinquième place à Zereven pour Voilà. ouh la vache, pour 3 centièmes. Il prend la cinquième place sur la grille.
Alors, qui c'est qu'on a encore? On a peut-être le pilote Kix. Et qui vient de mordre, malheureusement. Je suis pas tombé au bon moment. Guanzio, peut-être. Qui est en très légère amélioration. En tout cas, les qualifications sont terminées, les amis. Bouh, favoritisme. Pas du tout, Ziggs. On est tout à fait. Comment dire objectif, voyons, sur ce stream. Ah, Toujours. le petit Zereven qui est en plein dans la trage, à qui il donne un peu la spi à son coéquipier. Bon, je suis pas sûr que ça lui ait fait gagner beaucoup de temps. Alors, est-ce que ce petit Guanzio va réussir à améliorer cette 8e place? Ah, c'est pas mal là, la réaccélération est très très bonne. Allez, le plus dur. Moi, en attendant, je regarde Bigood. Ah oui, c'est vrai que Bigood Enfin, est 18ème. Hein. Il est un petit peu Bigood patiné. est. Bigood est aussi en tour chrono. Et il améliore de 15, 15 Et dixièmes. Bigood, non, il a choisi de rentrer au stand, donc du coup, il partira avant le dernier. Et bah, Il c'est une triste qualification pour le Bigood aujourd'hui. Hein. Alors, Zereven, bah, je crois que tout le monde est. Bah, ça va être terminé là. Tout le monde est rentré. Donc la grille devrait être fixe, les amis. Nous avons Ouais. donc DJ en première position, Romain, JB, Et Snake, Riak. Et ensuite, je te laisse finir, mon cher Mikelito. alors en sixième position, nous avons Zereven, après Chix, Coenzio, Clem, Quatrachaud et Provençal, suivi de Opti, Lynx, Messier Beckschumacher, Lengred, Zykov, Noyo, Bigood qui a totalement loupé sa qualif malheureusement. Ouais, c'est assez étonnant. Chomi et Famas. Alors par contre, ce qui va peut-être arranger Provençal, c'est d'être 11e, parce que du coup, il va peut-être tenter une stratégie inversée. C'est l'avantage d'être 11e, je trouve. Personnellement, c'est ce que j'aurais tenté de La 10e partir en place, c'est métier. toujours un petit peu traître en fait, hein, cette 10e place, parce que on est quand même loin du peloton de tête et on est coincé avec les pneus de qualif. C'est ça. Donc mine de rien, partir avec des jaunes, ça peut être sympathique. Et voilà, la session va s'enchaîner sur la course du coup les amis. Il n'y aura pas eu de pluie. Ça s'est couvert d'un seul coup, mais il n'y aura pas eu de pluie pour ces qualifications. Et je pense que ça a dû faire peur à quelques pilotes quand même, hein. Le ciel qui s'est assombri d'un seul coup. Possible. Ils ont dû se dire mince, faut se dépêcher de faire des tours avant qu'il pleuve. Et voilà, et on a du coup hein, Lundgren qui a fait ses qualifs en jaune. Voilà. Il nous a pas sorti de Pitié. soft. Là, je vois avec lui pourquoi il a tenté de faire ses qualifs Assez en étonnant, jaune. ouais. Il faudra questionner Bigood aussi sur ses qualifications, parce que 18ème position, assez étonnant. Très surpris. C'est ça. Très très surpris de ma Sachant part. qu'à Monaco, c'est un peu plus facile de remonter si tu sors pas et tout. Alors, faut que j'arrive à me mettre sur Riak rapidement. Pour vous proposer le départ correctement. De la Ferrari. Ouais. Bah, je pense que la 5e, 6e place, c'est la meilleure vue pour le premier virage. En vue TV. Enfin, en vue diffusion, pardon. Faut juste que j'arrive à me mettre sur lui rapidement. Je rappelle qu'il n'y a pas de tour de chauffe, donc les pilotes vont partir directement. Oui, il n'y a plus de tour de mise en grille. C'est le départ tout de suite. Vous avez intérêt à être prêts, les amis. Parce Si vous que n'êtes pas là, prêts, c'est parti pour vous. vous n'avez pas le temps d'aller chercher un goûter là, c'est pas le moment. Pas la fête. Voilà. Alors je ne sais pas qui c'est qui doit cliquer sur prêt cette semaine. C'est Guanzhou normalement. C'est Guanzio, d'accord. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, le pilote clique sur prêt dès qu'il veut ou est-ce qu'on lui donne un top? Je crois qu'il y a une. On Tu laisse peux quand même un peu de attendre temps. 30 secondes. D'accord. Le temps que les pilotes choisissent leur stratégie. Alors c'est dommage, on ne peut pas voir les stratégies des pilotes. Ça, ce serait un truc intéressant à Peut-être sur le ajouter. 21. Peut-être, peut-être. Et du coup, le début de la session dans 20 secondes, les amis. Début de la course, soyez prêts. À vos claviers. Ah, j'ai hâte de voir ça. J'espère que ça Ah, va être ça un va beau être GP.
On va pas se taper 10 tours en safety car. Là, il fait beau en vrai. À part grosse grosse erreur, on devrait pas trop voir de safety car. Vu que la piste Là, est ça très peut être large. cher. Ouais. Allez, ça va y aller. Il faut que j'arrive à vous sélectionner Riak et je vais pas pouvoir parce que si c'est bon, j'ai réussi. Allez, ça part, c'est parti. Oula, départ timide. Lentement quand même là. Il a laissé le tour de chauffe. Il a laissé le tour de chauffe. Je pense qu'il a laissé le tour de chauffe. Oui, c'est le tour de chauffe. Bon, bah voilà, les amis, du coup. Petit tour de mise en grille. On va voir si ça bug toujours. Ah, bah ça va me permettre de vous mettre, du coup, les bonnes infos. Alors, les intervalles. Yes. On va vous mettre les pneus. Et donc, on peut voir que toute la grille arrière a mis des médiums, sauf Alex, en dernière Sauf Alex. position. Et Coup de voilà. poker, certainement. Oui, c'est assez. Ah, je peux. D'accord, ok. Je peux enlever certains trucs. C'est intéressant ça. Je découvre hein, le menu spectateur, les amis. On n'a pas souvent l'occasion De l'explorer. de l'explorer, voilà. On a donc les pilotes qui chauffent leurs pneus afin de faire le meilleur départ possible. Alors, Bizarre que. Ah oui, c'est vrai que. Le 4 à chaud a fait une petite erreur de rien du tout. qui Au lieu est? de charger le réglage du serveur, il a malheureusement appuyé sur écraser. Ah mince. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que leur truc pour charger, sauvegarder est inversé, je trouve. C'est plus intuitif pour supprimer que pour charger, j'ai l'impression, dans leur truc. Et c'est vrai que ça m'est arrivé souvent d'écraser mes paramètres sans faire exprès, en voulant les charger et au final, parce que quand tu appuies sur X, ça les efface. Alors que normalement ça devrait, enfin Ça ouais devrait les c'est. charger, ouais, c'est complètement stupide. Peut-être une nouvelle amélioration en prévision pour F1 2021. J'espère. J'espère qu'ils amélioreront un peu mieux que ça, mais bon, un peu mieux qu'une simple option pour charger des réglages. Ah, j'attends de voir hein, vu que c'est Touquet qui reprend, non? Non, c'est IE. IE, ouais. Ouais, C'est IE. après, il y a des bons jeux, genre les jeux de basketball, à un moment, étaient très bien. Allez, ça va partir, les amis. Tenez-vous prêts. Je vais rester sur Riak. Je pense que c'est la meilleure POV pour vous proposer le premier virage. Moi, pour l'instant, je me suis mis en diffusion. Je vais me mettre. Allez, ça va partir, les amis. Les Attention. Et ça part, c'est parti, attention, attention. Un départ plutôt timide pour l'instant, j'ai l'impression. Ouh là là, il y a beaucoup de voitures de front là, le premier virage va être très intéressant, attention. Ça bloque un petit peu pour la McLaren de Zereven. Ouh n'y a là, on pas eu a d'accident. la Mercedes de Kix ou de Klem qui est sortie très très large. Là, il y a beaucoup de changements de position, je vois. Et la Red Bull qui arrive à prendre l'avantage. Oula, qu'est-ce qui se passe dans le. Ok. Moi j'ai le. J'ai le classement Ah, qui je fait regarde n'importe quoi. un truc. Il y a une notif sur le. Et bien le bonjour mon cher Kusai. Alors le classement s'est remis dans l'ordre, mais j'ai tous les pilotes qui sont passés de la dernière position et qui sont revenus premiers. Oh non! C'est le spin pour le pilote de Ferrari. Ah là Malheureusement. là Ah, qui respine encore. Ah là là là, c'est là là terrible. là C'est terrible. Il se retrouve dernier alors qu'il avait la cinquième place, je crois. là là Ah, là là terrible nouvelle. Alors, on a le petit JB là. Et coucou Riak. Enfin, coucou Kusai. Et on a un drapeau jaune. On a une AlphaTauri, je crois. Hein. Un Ouais, dernier c'est les virage. Schumacher. Mais Schumacher qui a du speed, malheureusement. Alors du coup, qui a profité de cette cacophonie du départ? L'aime a laissé passer des Schumacher. Intéressant. Que okay. Il a dû le doubler pas correctement. C'est bien, c'est du fair play, on aime ça. Salut Nakazuma. Alors, qui c'est qui est proche là? On a Zereven sur Kix, qui est très très proche là. Peut-être qu'il va tenter un dépassement au freinage. Ah, il est un petit peu plus loin malheureusement maintenant.
voir derrière. va rester dans les roues de la Mercedes. Peut-être tenter un dépassement dans la première ligne droite. Il y a un petit train, un petit troupeau Ouais, pour tout le la monde se cinquième suit, hein. place, hein. Ouais, effectivement, sur Kick Caesareven. Et Chomi qui prend 3 secondes de pénalité déjà, dès le deuxième tour, malheureusement. Ah là 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 là. Ah, ça va très vite hein, avec les paramétrages en sévère. Alors pour l'instant, Zereven suit tranquillement Kicks. Ah, il va peut-être pouvoir accélérer plus fort là. Il met de On trouvait qu'en l'ERS. normal, c'est pas bon, mais en fait, en sévère, c'est pas très bon non plus. Et Noyo qui prend également Noyo 3 aussi, secondes. trois Et il faut secondes. faire attention, messieurs. Ça va très vite hein, les pénalités. Zereven qui prend l'intérieur sur Kicks. Peut-être Kicks va essayer de refaire l'inté ici. Ce serait pas mal. Ah non, il ose pas, il laisse la place. Beau dépassement ici de Zereven du coup. On a Guanzhou juste derrière Kicks. Effectivement, hein, tout le monde se suit pour cette cinquième place. Provençal, 3 secondes également. Drapeau jaune. Drapeau C'est jaune. de nouveau. C'est Provençal, ouais. Il a du spin Ah, malheureusement. qui sont en grosse, grosse Décidément, difficulté. ils ont vraiment pas de chance, les pilotes Ferrari, cette saison. Alors, qui c'est qu'on a de proche? Bah, je crois que je suis vraiment sur le peloton qui se suit. Hein. On a Lundgren qui suit 4 à Provençal, chaud il de. est pas rentré, je crois, au stand. Provençal déjà au stand? Non, il n'est pas rentré. Ah non, c'est Optique qui est au stand. Sorti. Il a dû casser l'aileron peut-être. Oui, DJ et JB toujours aussi rapide, effectivement. Et Bigoud est remonté à la 10e place, mon cher Michelito. Ah bah, Bigoud est très très Incroyable. rapide. Ah, on a Lundgren qui fait le dépassement sur 4 à chaud là, et ça passe tranquillement hein, pour le pilote qui est en médium par rapport au pilote AlphaTauri. Peut-être que notre cher ami 4 à chaud va réussir à récupérer sa position avec ses pneus rouges. Il met de l'ERS, hein. Il essaie de rattraper cet Alfa Romeo. Et sans succès pour le moment. On va rester sur lui. Peut-être qu'il va tenter l'intérieur ici. Ah! Ouais, il y va. Il se décale dans les rétroviseurs afin de mettre la pression. Et derrière, il y a Bigoud aussi. On a Bigoud juste derrière, effectivement, qui va peut-être attendre justement un dépassement de 4 à chaud et une erreur pour gagner une place. Parce que ça, c'est une bonne technique, hein. Chez les pilotes, c'est d'attendre que les deux pilotes de devant se battent et Voilà. profiter de l'erreur d'un des deux pour faire un dépassement. C'est exactement ce que je fais en Ligue Ouais, bah c'est l'une des très bonnes techniques pour dépasser safement, je B. dirais. Bigoudin qui se fait un petit peu larguer en ligne droite, mais il économise son ERS pour l'instant. Ouais. Parce qu'il est déjà plus qu'à 38%. À mon avis, il veut en profiter pour plus loin. Alors, qui c'est qu'on a de proche? On a JB. Qui est à 6 dixièmes de Romain. Qui va s'élancer dans cette première ligne droite. Peut-être avoir le DRS normalement sur Romain. Donc JB a mis DRS plus le RS. Romain défend l'intérieur, c'est bien joué, mais il se redéporte à l'extérieur malheureusement. Ouh, il freine très Oh tard. là là. Et ils en sont touchés. Ils se sont touchés, j'ai merdé avec la caméra, je Ouais. suis désolé les amis. De contrôle de JB, mais il a réussi à rattraper. Bon, ça va, tout n'est pas perdu. Il n'y a pas d'aileron abîmé, j'ai pas l'impression. Non, ça va. Ok. Alors, qui c'est qu'on a d'autres en bataille? On a Guanzhou sur Kicks. Ouais, tout le monde hein, se bataille hein, pour cette cinquième place. Ouais, Sixième c'est la place, guerre. pardon. Tout le monde se suit. Un 4 à chaud un petit peu lâché, hein, Lundgren, il est à plus d'une seconde maintenant. Moi, ça, Park Manager, ça m'arrange. Ouh là là! Après, en tant que Ouh là là, ça sert à Lundgren! rien. Ouh là là! Ouh là là! Ouh là là! Que vient-il se passer? Ah Je bah, viens. Guanzio, oh là, qui vient de se faire rentrer dedans Ah, j'ai vu par Noyo. Lundgren passer dans la voiture de Guanzhou, personnellement. Noyo a pris 3 secondes de nouveau pour avertissement répété. Et bah, ça commence déjà à faire pas mal de pénalités. Hein. Alors, miraculeusement, apparemment, la voiture de Guanzhou n'a rien. On va regarder la voiture de Lundgren. La voiture de Guanzio qui fait des trucs bizarres. Il n'a rien. Ah, peut-être que Guanzhou lag un peu. C'est possible. C'est peut-être ça qui s'est passé. Parce qu'il n'y a pas de dégâts sur les deux voitures. Donc, c'est à mon avis une des 5 qu'on a eu là. Possible, ouais. Alors, qui c'est qu'on a en bataille un petit peu? On a Riak qui remonte sur Chomi.
peut-être tenter quelque Et chose. Rien qui remonte sur Chomy, devant il y a Linz, Famas et Zykov qui sont Linz. pas très loin. Effectivement. Ouais, tout le monde se suit, hein. C'est vraiment le petit train pour l'instant. DJ qui a mis 3 secondes presque à Romain, qui s'est construit une confortable avance C'est par ça, rapport. et JP est déjà une seconde. Ouais, ce petit accrochage avec Romain l'a peut-être handicapé un petit peu. En tout C'est cas, lui a fait possible. perdre du temps, ça c'est sûr. On a Guanzio qui est remonté à 2 dixièmes de 4 à chaud à nouveau. Lungred qui se rapproche de Kix. C'est Medium est déjà collé à Kix. Hein. Kix qui se rentre au stand. Là, c'est un arrêt vachement tôt, ça. 4 tours seulement pour des rouges. Ouais, et Zereven, et du coup, est passé quatrième au Effectivement, stand Guanzio Kix. on a déjà pas mal de pilotes au stand là. Ouais. Alors, on va faire un petit point pénalité, les amis. Alors, attendez, il faut que je réaffiche les bons trucs. Alors, actuellement, en pénalité, si tu veux, nous avons Noyo qui a 6 secondes de pénalité, Chomi qui a 3 secondes et Provençal qui a 3 secondes aussi. Effectivement, le pilote Racing Point qui a déjà pris deux avertissements, enfin deux pénalités. Et 3 Clem qui secondes. vient de prendre 3 secondes également. Et C'est un opti, drapeau jaune. malheureusement. Effectivement, encore une fois. Il a du spin sans conséquence. Effectivement, parce que je le vois en piste là. Il n'y a pas de souci sur lui. Alors, je vais vous remettre du coup les pneus. Et on va repasser sur qui est-ce qui est proche. On a Provençal à 2 dixièmes de B. Schumacher. Vite, le petit Provençal, où est-il? Voilà. Il y a un petit train là pour la 13e place de Riac. Ouais, Provençal qui va tenter le dépassement ici sur l'AlphaTauri. Il va le prendre au freinage. Normalement, ça devrait passer sans problème. Qui recolle bien, ouais. Faut pas que Béchoumar Attention. assiste non plus. Ouais, B. Schumacher qui sort de la piste du coup. Béchoumar, par contre, pour l'avertissement Ouais. répété. Il est sorti de la piste parce qu'il n'a pas voulu lâcher sa position sur le pilote Ferrari. En tout cas, un dépassement plutôt propre hein, ici. 3 secondes de Kix qui prend pénalité 3 de secondes, nouveau. effectivement. Et 4 à chaud au stand. On a 5, 6, 6 pilotes au stand là. Tout le monde s'arrête, j'ai l'impression. Et tout le monde chose du jaune. Ouais. Alors du coup, je sais plus trop où regarder là, parce qu'il n'y a plus aucun temps, tout le monde est au stand. On va aller voir notre Alors, petit DJ. actuellement, DJ est en piste. Et Alors. Famas, encore 3 secondes de pénalité. DJ qui est bien dans sa course, hein. Tout seul devant. Qui va peut-être pousser ses rouges encore un tour ou deux, je pense. Oui, s'il n'est pas trop utilisé, oui. C'est vrai que ça c'est une information qui serait intéressante d'avoir, de pouvoir voir l'usure des pneus des voitures en ce mode spectateur. On aligne ça à 7, 4 dixièmes là. On va aller voir ça. Du cher Famas. Et Famas qui est également à 3 dixièmes de Noyo. Famas qui Ouais, est encore en Famas rouge d'ailleurs. Hein. qui est encore en rouge. Hein. Il va peut-être s'arrêter. Alors du coup, ce serait un petit peu inutile de tenter un dépassement sur Noyo, de Ouais. se mettre en danger s'il compte s'arrêter rapidement. Alors, est-ce qu'il s'arrête? Oula! Là, Eh, le coup de gaz un peu trop fort. Malheureusement, du pilote Red Bull. On l'a entendu hein, sur le stream, on a entendu le coup de gaz vraiment. Et les pneus, voilà, doivent être au bout. Bah là, en tout cas, il est sûr qu'il faut que le pilote s'arrête. Ouais, voilà. Il s'arrête parce que là Ce il a pneu dû. est arrêté aussi. DJ qui a chose des hard. Donc Effectivement. DJ qui a l'impression d'aller jusqu'au bout sans faire d'autres arrêts. Alors je pense que c'est aussi la stratégie des autres pilotes. Hein. Et Chomit de nouveau 3 secondes. Alors on a Zereven à 2 dixièmes de Snake. Il va avoir le DRS sur Snake et Snake n'aura pas le DRS sur JB. Donc je pense que notre petit Zereven
Va peut-être pouvoir tenter un dépassement s'il arrive à pas trop se faire larguer l'Axel. Ça devrait y aller. Il envoie le DRS. Le RS. Il va passer à l'intérieur. Oui, ça va passer tranquille. Et DJ maintenant va fondre sur Provençal. Effectivement. Alors allons voir ça. En tout cas, le dépassement sur Zereven est passé sans problème. Alors après, DJ a ses pneus hard tout neufs. Ils sont toujours un petit peu longs à mettre en température. Donc il va peut-être pas tenter de dépassement tout de suite, sauf si vraiment la Ferrari n'est pas assez rapide à son goût. Oh, il va attendre la zone de DRS. Ah, Provençal qui fait une petite erreur. Il a ouvert la porte, mais qui a refermé juste derrière. Et malheureusement, il a failli se toucher. Ouais. Et on a devant les deux Racing Points. Et Lins qui tente un dépassement. Et qui passe sans problème. Son coéquipier l'a laissé. Oh, le copilote. Passer devant. On fait des monoplaces à deux places, nous, maintenant. Voilà. Sur F1 RS. Toujours dans l'innovation. On a Schumacher qui est à 3 dixièmes de Provençal. D'ailleurs, DJ qui est passé, hein. Du coup, on l'a pas vu faire. Oui. J'ai regardé, bah, DRS enclenché dans la ligne droite. Ouais, aucune chance, quoi. Derrière Provençal et hop là, salut. Voilà, sur Noyo proprement. Ah, il résiste, Noyo, il résiste. Il va y aller. Il va jouer. Oula! Il s'est fait surprendre. Il s'est fait surprendre au freinage par Noyo. Ça va, il a pas pris de pénalité par le jeu. Salut Cindy. Alors, qui c'est qu'on a d'autre? On a Romain. Qui remonte aussi assez vite sur Schumacher. Cette caméra est dégueulasse. Alfa Romeo en première position, c'est rare. Ce petit Lundgren avec déjà 8 tours, hein, mais ils sont en stratégie inversée, mon cher Michelito. Il est parti 11e et il est parti en médium. Bigoud qui est pour l'instant 2e. Alors ce sera intéressant de voir jusqu'où il remonte. Là, on a un vrai petit train là. Oula! On a une Xiaomi qui a un petit peu dérapé derrière, je crois. Et DJ est passé devant Noyo. Effectivement, DJ qui remonte très très vite, hein, avec ses hards tout neufs. Il est déjà en train de s'envoler vers la première place. Bon, il lui reste quand même bien 15 secondes à abattre avant d'atteindre l'Ungred. Je pense qu'il a des clients. On peut leur aller chercher. Déjà, il va falloir rejoindre Bigoud. Effectivement. Et, après, il faut le doubler. Et là, il va avaler Lins tout cru. Lins est décalé. Ouais, je pense qu'il voulait défendre l'intérieur, mais bon, il a vu que DJ a beaucoup plus de vitesse. Alors il a vraiment pas cherché à se prendre la tête, il l'a laissé passer. Il a vu que c'était DJ derrière et hop là. Allez, il vas-y. A ouvert la... Alors qui c'est qu'on a d'autre d'un petit peu? On a Romain à 2 dixièmes de Béchoumareur qui va se rapprocher ici. Prend l'intérieur, attention à pas se prendre la Racing Point ensuite. Peut-être un double dépassement ici du pilote Renault. Il passe à l'extérieur. Ouais, c'est... Du coup, la Racing Point a une meilleure réaccélération. Il lâche pas, hein, il lâche pas. Oulala! Oulala, Béchoumareur qui a failli rentrer dans Romain. C'était très très chaud. Et il tente l'intérieur ici. Et ça va passer. Oh, c'est joli. Pilote Renault qui pour l'instant nous sort une masterclass au niveau des dépassements. Hein. Effectivement. C'est passé tranquille. Et on a, Noyo qui est en difficulté. Hein. Il perd beaucoup de positions là. Il va encore se faire doubler deux fois là. Tour en 1:32.0. Il y a Béchoumareur qui passe devant et JB qui est juste derrière. Qui va pas tarder à en profiter, je pense. Est-ce qu'au bout de 10 tours, les médiums seraient peut-être pas en train de s'écrouler? Je pense que les médiums arrivent au bout de leur capacité là. Parce que le GP ne dure que 27 tours. Hein. Donc, je pense que oui, les jaunes commencent à être bien usés là. Allez, JB qui va tenter. Ouais. Moi, à sa place, j'attendrai un peu. Oula, le 3 de front ici. Attention. Béchoumara, il a pas dû comprendre grand chose. Béchoumara a perdu deux places là, d'un seul coup. Il y en a eu un à gauche, un à droite. Ouais. Malheureusement.
Il avait aucune chance, il avait pas le DRS. Et JB qui va profiter. Qui double Nozio sans problème. Ah, peut-être que Nozio va défendre l'intérieur. Ah non, JB est passé. Zereven là, qui tente l'intérieur. Et sur Nozio. Passé pour Zereven. Non, c'est pas passé. Ils sont au coude à coude. Et ils passent finalement. Il y a de belles batailles là. Hein. Ouais. De belles batailles. C'est très... Et derrière ça, la Red Bull qui passe. Snake qui avale Schumacher encore. Nozio qui rentre. Je pense que là, les... Oh là ! Ça s'est accroché, Snake qui s'est un petit peu rabattu sur Schumacher. Je pense qu'il n'a pas laissé assez de place à l'intérieur. Enfin, ce n'est que mon avis après. Et Schumacher a l'aileron endommagé. Ah, c'est terrible, il va devoir faire un tour en plus. Avec l'aileron cassé, malheureusement. Il lui manque... Alors, est-ce qu'on peut avoir une caméra frontale ? Ah, effectivement, il manque les jets à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme bataille? On a Romain à 4 dixièmes de Linz dans la ligne droite. Et il économise son ERS. Il en a presque pu. Il va peut-être tenter le dépassement ici. Ah, et surtout que Linz a pris une mauvaise trajectoire, malheureusement. Il va ressortir beaucoup plus fort là. C'est en train de remonter comme des boulets de canon sur le pilote Ferrari Provençal. Effectivement. Et du coup, ça passe tranquillou pour le pilote Renault, pardon. Alors peut-être que Linz va essayer de... Ouais, non. Je pense que Linz va rentrer au stand, là. Il est à 11 tours sur ses médiums. Ouais. Mais Schumacher entre... Schumacher s'est fait doubler. Ouais bah enfin, sans aileron ça va, c'est compliqué en même temps. Ah non, Linz qui reste en piste encore, hein, il pousse. Il continue de pousser. Alors qui c'est qu'on a d'autre? Bah on a Provençal qui rentre au stand. Ouais. Et Provençal qui est... Alors voilà, tout le monde commence à être bien espacé. Hein. Tout le monde commence à être très espacé, là il y a plus d'une seconde entre chaque pilote quasiment. Il n'a plus que Linz qui a 8 dixièmes de Romain, sinon tout le reste est très très espacé. Hein. Ce que je vois, c'est que Bigood n'arrive pas à remonter sur l'Engrade. Hein. Mmh. Pourtant, ils ont exactement le même nombre de tours sur leur pneu. On va aller voir ce petit Bigood. Et Zereven a pris le DRS sur JB. Ah toc 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 toc. Mais il est trop loin, Zereven. Ouais, il va être trop loin. Il va pouvoir se rapprocher un petit peu avec le DRS. Ouais, effectivement. Ah là, faut pas craquer, faut pas dépenser son ERS. Ça va, il ne cède pas à la tentation. Alors, c'est les seuls pilotes. Hein. Il y a Guanzhou qui remonte un petit peu, qui est dans le DRS de Xiaomi. Mais sinon, ils sont tous à plus d'une seconde les uns des autres. Ah si, on a Romain qui est revenu à 4 dixièmes de Zykov. Effectivement. Zykov, c'est pareil, commence à avoir des pneus qui... Ah bah il s'arrête justement. Zykov qui passe au stand. Et Romain qui se retrouve du coup à la 4ème place, derrière DJ. Et qui du coup sera la 2ème place, puisque Bigood et Lundgren ne se sont pas encore arrêtés. Ouais. On va faire un petit point pénalité d'ailleurs. Allons-y. Alors... J'ai pris 5 secondes déjà. Ah bah voilà, il suffisait d'en pas. Vitesse excessive dans la voie des stands. Décidément, Schumacher n'a pas de chance ce soir. Kix a 6 secondes de pénalité. L4 HO, Zykov, 3 secondes chacun. Xiaomi, 6 secondes. Schumacher, 8 secondes. Provençal. 3 secondes. Alex Fermat, 6 secondes. 3 secondes, pardon. Nozio, 6 secondes. Et c'est à peu près tout. Ouais. Alors là, il y a eu beaucoup de changements de classement. C'est parce que les pilotes ont dû s'arrêter. Ouais. Et ils ont tous chaussé des hards. Ils ont quasiment tous chaussé des hards pour les nouveaux. Pour ceux qui viennent de s'arrêter. La stratégie de DJ va s'avérer normalement payante. Hein. Ouais, je pense. Faire soft hard. Et on a qu'un arrêt. Zereven qui remonte doucement sur JB. Je pense que les pilotes en médium vont essayer de finir.
Ça va être dur, mais je pense qu'ils vont essayer de finir. Mais oui, je pense que JB va très bien s'en tirer avec ses pneus hard. Il est déjà à 5 secondes de Romain. Et on a Clem qui est à 3 dixièmes de Lens. Qui remonte un petit peu. Et Lens qui est avec des blancs tout neufs. Alors il a peut-être un petit peu de mal à les faire monter en température. Possible aussi. Ah, il bloque ses roues malheureusement le pilote Mercedes. Du coup, il se retrouve très très loin là, à la réaccélération. Et Lynn se rapproche doucement hein, de Provençal du coup. Alors, qui c'est qu'on a d'autre un peu en bataille? Zreven sur JB. Zreven, il lâche pas JB, hein, mine de rien. Ah non, Il les reste deux dans vont ses se... roues, hein. C'est grand à moi. Ouais, là, il est un petit peu loin, mais par contre, il a beaucoup de RS, Zreven. Je pense qu'il l'économise. Ouais, là, je pense qu'il va pouvoir tenter un dépassement dans ce prochain tour, parce qu'il est largement à portée de DRS du petit JB. Mais l'écart entre Bigoud et... Je regarde l'écart entre Bigoud et le Graal, il varie entre 1 seconde 7. Alors là, il y Ah. a, bah là, Ouais. c'est Lundgren qui s'arrête, et Bigoud reste en piste. Et il va Ouais. prendre du coup la tête de ce GP pour l'instant. Lui qui était parti dernier, les amis. Enfin, dans les derniers, oui. Ouais, il était 18e, je crois, ou 19e, un truc comme ça. Mais les softs. Lundgren qui met des softs. Ouais, Ah, c'est vrai, il reste 11 tours. Il a intérêt d'en profiter tout de suite. Parce qu'ils vont fondre comme neige au soleil. Hein. Oh, superbe caméra de la part du jeu là. Petit tracking suivi à l'hélicoptère. ouais, qu'est-ce qu'il a le jeune d'un seul coup là, il nous met des beaux plans de Ouais, pour caméra. une fois. C'est la première fois que je vois un plan comme ça. Un plan comme ça. Et JB qui vient de J'y prendre vais 3 secondes sous nos yeux. là, 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 Ah, là, le ça. drap. Ça, c'est terrible. Ça lui coûte la troisième place pour l'instant. Et Lundgren qui se retrouve un petit peu piégé par Kix. Voyons Que ça. Lundgren est beaucoup plus rapide, mais Effectivement. Kix a un peu des portes. Bon, Mais bon, il va Lundgren, le doubler avec le DRS. DRS. Kix qui va. Non, qui ne va pas défendre. Qui se remet Ouais. derrière. Alors. Il a les pneus usés, un grade à pneus soft tout neuf. Zereven hein, qui suit vraiment de très très près JB. Hein. Tu sais, t'as raison, il en faudrait plus souvent des plans comme ça de la part de Codemaster. Ouais. Et ça, malheureusement, on peut pas maîtriser quoi. On a que deux options de caméra. Et C'est vraiment Bigoud très qui rentre chiant. en train. Ouais, bah justement, il était en train de perdre du temps sur DJ, j'allais le dire. Donc je pense que c'était vraiment le moment de rentrer pour lui. À voir quelle position il va ressortir. Je pense qu'il va ressortir Sort en soft. 7-8ème. Il ressort en soft, effectivement. Et merci beaucoup pour ton follow, Alpha. Bienvenue, frérot, ça fait très plaisir. Merci à toi. Tout le monde perd du temps sur DJ. Oui, c'est un peu une. C'est un peu un euphémisme de dire ça. Donc du coup on a deux pilotes en soft et d'ailleurs Lundgren vient de passer devant Kix. Et il va avaler tout, Snake dans la même foulée. Ben là. Ah, Snake qui défend à l'intérieur, à l'extérieur, pardon. Ouais mais du Voilà. coup. Oula, ça se bat. Ça se bat. Mais il va avoir l'avantage là maintenant. Il est à l'intérieur. Voilà, La c'est Red bon. Bull qui va, voilà, malheureusement devoir céder sa place. Alors peut-être que la Red Bull de Snake va tenter. C'est pilote Ferrari, Riac, Riac, qu'est-ce que se qui a passe-t-il? perdu son arrière bout d'aileron, Ah qui a été mince. se mettre dans la sécurité. Juste après les stands. Ah terrible. Ah oui, Enfin, effectivement. juste entre le. Qu'est-ce qu'il nous fait? Bigoud, Oula. 3 secondes. Bigoud qui prend 3. Bigoud qui prend 3 secondes de pénalité. J'ai pas trop compris ce que faisait Riac, je pense qu'il a pas pu tourner. Qu'il avait pas Je pense qu'il peut d'appui. pas avec son aileron. Bigoud qui avale Snake. Non, pas Snake, pardon, Kix. Il remonte très très fort, hein, Lundgren et Bigoud, là, avec leur rouge. Lundgren est déjà remonté en cinquième position. Il va remonter très fort, ouais. Surtout Après, que. en rouge. Faut arriver à faire tenir les rouges encore 10 tours, messieurs. Faut les économiser un petit peu, hein.
C'est bien beau de remonter, mais si vous finissez avec les pneus à 110%, Le risque ça d'une va être crevaison n'est compliqué. pas non plus. Et N'est pas exclu. JB dans les JB qui stands. s'arrête, ouais. Du coup, DJ à 7 secondes hein, devant Romain. Chaussée. Des médiums. Effectivement. Du coup, l'Ungred est remonté en quatrième Je sais pas position. pour qui JB, personnellement, j'aurais tenté les rouges. Il reste 9 tours. Ouais. J'aurais tenté les rouges. Ouais, ça passe, hein, les rouges. Mais il a mis des médiums. Drapeau jaune secteur 3, Ah. c'est hop, Riac. C'est Riak encore qui a dû avoir Ouais. du mal à freiner pour sortir dans les stands. Alors, Bigwood qui a tout juste une seconde de Snake, qui du coup a réussi à le choper le DRS. Oh là, il le rattrape à une vitesse avec ses pneus rouges, c'est incroyable. Il a gagné 5 Là. dixièmes dans Trois cette secondes chicane. aussi. Il va continuer de se rapprocher. Je pense qu'il va tenter le dépassement dans la première ligne droite, à mon avis. Parce qu'il va avoir beaucoup plus de grip pour la réaccélération. Good va avaler Snake. Il va peut-être même le dépasser avant la ligne. Ah non, peut-être pas. Oh, c'est compliqué là. Bah, je sais pas, il se rapproche tellement fort Pour que. passer. Referme la porte un peu trop brutalement, c'est. C'est vrai. Bah, c'est ce qui s'est passé avec Bigood, avec Opti Ouais, et. tu vois, Bigood est obligé de donner des grands coups de frein parce Ouais. que derrière, enfin devant, il est beaucoup plus lent. Meilleur temps pour l'Ungred, 1.31.2. Et Bigood qui reprend le meilleur temps derrière. Ah, il a voulu faire peur à Snake en se mettant à l'intérieur. Oh, du coup, il le croise, c'est beau. Très beau dépassement de la part de Bigood. Ah, ça va peut-être pas passer. Non. La Red Bull qui défend encore. Et là, Bigoud en maintenant, se mettant Bigood a bien à l'avantage à l'intérieur. l'intérieur. Et du Et ça coup, fait 2 fois à peu près que Snake s'est fait avoir au même endroit. voilà, Snake perd cette position de quatrième. Après, Bigood a 3 secondes hein, de pénalité, je vous Voilà. rappelle. Et Clem a abandonné. Clem a abandonné dans les stands. Bon, merci Clem d'avoir abandonné l'instant. Nolio, 3 secondes de pénalité de nouveau. Effectivement. Alors, qui c'est qu'on a en bataille? On a Lynn, ça a 5 dixièmes de Provençal. Dans la ligne droite, ouais, il est un petit peu loin quand même. Ah, on a JB Ah qui bah c'est prend Zereben. la Mercedes qui ressort. Comment? La Mercedes de Clem qui ressort. Ah, ça c'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais normalement, elle va s'arrêter sur le bas-côté juste après. Je ne m'abuse. Ouais, elle a disparu du classement là. Ouais. Zereben hein, qui suit JB toujours. Il ne lâche pas. Je viens d'avoir une frayeur. Que se passe-t-il, mon cher Avec Miguelito? Clem, il était en fantôme et j'ai vu DJ lui rentrer dedans. Ah. Et Béchoumareur et Ria qui prennent 3 secondes chacun. Décidément. Ça pleut, hein, les pénalités sur ce GP du Castellet Ouais. aujourd'hui. C'est pas de la pluie qui tombe, c'est des pénalités. On préfère que ce soit de la pluie. Et en tout cas, DJ et Lundgren n'ont pas de pénalité. Effectivement. Et l'Ungred qui est déjà à 14 secondes de Bigood. Hein. Non, pardon, il a 14 secondes de DJ, excusez-moi. C'est Bigood qui a 3 secondes de l'Ungred. Ligne 3 secondes. Et tout le monde va finir avec des pénalités, j'ai l'impression. C'est à peu près ça. Zereven hein, qui attaque très fort là sur JB. Il va peut-être tenter le dépassement dans la ligne droite. Il a pas mal de RS. Faut juste pas se faire larguer à l'accélération ici. Et qui reprend 3 secondes. Et il va être loin là pour tenter le dépassement. Le pilote, je ne trouve pas le mot, McLaren. Ah, il est trop loin. Il est trop loin malheureusement, effectivement. Alors, qui c'est qu'on a d'autre qui se bat? On a Provençal qui tente sur Zykov. Allez, la grande Lulu. Montre-nous que t'as Allez. pas été champion de Il a Liga plus hier. de RS. Ça va passer vu qu'il est à l'intérieur normalement. Ouais, c'est passé. Peut-être que Zykov va tenter de le reprendre à l'intérieur ici. Non, il va rester derrière. Il a Du encore coup, des restes avant Lulu. Provençal qui s'empare de la 9e place dans les points. Et Kix aussi. Effectivement, oui, il serait temps de s'arrêter, messieurs, il reste 6 tours. Hein.
Enfin, 7 tours. À 7 tours de la fin, c'est un peu tard pour s'arrêter, je pense. Et Romain Zenix, meilleur temps, une 30.6. Eh bien, bravo à Romain. Romain, il fait de très belles perfs. Hein. C'est ça. Du coup, on a les deux Renault sur la 3ème et 4ème place pour l'instant. Ouais. Renault, dans ces cas-là, qui marquerait. Ah, je sais pas s'il marquerait plus de points au championnat que As. Je pense pas, parce que DJ va quand même mettre beaucoup. DJ va quand même mettre beaucoup de points, puis ils sont 3ème, 4ème entre. Entre la deuxième et troisième place, il y a un sacré gap, mine de rien. C'est vrai. Alors, qui c'est qu'on pourrait regarder d'autres? Guanzio sur Snake. Ouais, il est loin. Ah, Devon derrière, ça se bat. Il est à Tibé, mais il n'arrive pas à le dépasser. Oui, il le suit. Après, il veut peut-être juste profiter de ses pénalités. Hein. Il veut pas tenter de dépassement un peu tendu. Et il reste juste derrière en espérant... Noyo qui va tenter le dépassement sur Famas. Ça va passer. C'est passé comme une lettre à la poste ici. Et Chami, 3 secondes de nouveau, va falloir faire attention. Il se redécale, mais non, il reste derrière. Et du coup, nous n'avons plus que 6 pilotes sur 20 qui n'ont pas de pénalité, mon cher Michelito. Opti qui a un tour n'a pas de pénalité. Effectivement. Qui n'a pas eu de chance hein, sur ce GP, voilà. Je trouve. Alex hein, qui veut récupérer cette place, ça se sent. Il veut récupérer la place que Noyo vient de lui voler dans cette ligne droite grâce au DRS qui va rien lâcher. Malheureusement, il bloque un peu ses pneus ici. Ah, Noyo qui a dérapé. Nereven vise vraiment la 5ème place, mais il va pas forcer pour aller la chercher. Oui, parce qu'après il est quand même à 7 secondes de Romain. Donc, je pense qu'il assure le coup. Ouh là là, j'avais pas vu Xiaomi qui tente le dépassement à l'extérieur sur Famas. Mais ça ne passe pas. Ça n'est pas passé ici. Alex qui reste à l'intérieur, mais du coup qui va peut-être se faire croiser ici. Et il se touche quasiment. Ouais, il se touche un peu. Xiaomi qui bloque un peu son pneu avant droit. Et du coup, Alex Famas qui a perdu un peu de gap sur Noyo. Pour l'instant, les pneus soft ont l'air de tenir. Hein. Ça a l'air d'aller, ouais. Lungred et Bigood ne perdent pas plus de temps que ça par rapport à DJ. Bigood ont l'air d'être deux pilotes qui savent tenir leurs pneus. Oui, clairement. Ah, et Famas qui va peut-être tenter l'intérieur ici. Au freinage. Pour rien, ça reste très propre. Non, il va jouer la sagesse. C'est trois pilotes hein, qui se suivent de très très près. Pour qu'on a le Noyo sur le chat. Oui, apparemment Alpha. C'était pas n'est pas Noyo. ils sont en forme ce soir. Exactement. Et il y a Xiaomi qui se décale sur Alex. Un petit peu. Zereven 3 ans. Zereven, aïe aïe aïe. Il veut garder ça. Si tu veux le chercher à ce qu'il passe. Zereven va devoir attaquer maintenant. Il faut qu'il attaque. Le petit Famas là, qui se rapproche. On a Linz à 3-5 dixièmes là. De Zikov, il va peut-être tenter quelque chose dans la ligne droite. Ouais, il est un petit peu loin malheureusement. Zereven, il va peut-être attaquer JB maintenant. Zereven, si tu veux cette victoire, enfin cette victoire, cette cinquième place, il va falloir te battre. Ah, il dépense un peu son ERS pour pas sortir de la zone de DRS, justement. Il se trouve encore très très loin de JB. Il est pas loin de se faire sortir de la zone. Le petit Linz à 3 dixièmes de Zikov. Dans ce troisième secteur. J'ai l'impression qu'en fait JB et Zereven ont le même rythme. Ouais, ils ont vraiment l'air de suivre, ils perdent pas de temps quoi. Alors il y a un qui roule peut-être un dixième plus vite, mais du coup. Et Zereven est en train de dans la zone de DRS. Effectivement. Ah, mais il est revenu dedans là, je le vois à 7 dixièmes. Allez, mon cher Linz, appuie sur le champignon. Tu vas être un petit peu loin ici pour tenter le freinage, malheureusement.
aurait fallu économiser un peu ton ERS pour la ligne droite. Parce que le Zhikov est. Non, Zhikov est encore dans le DRS de Provençal. Ouais. Provençal, hein, 7ème position, mais malheureusement, il a 3 secondes de pénalité. Lynn s'est arrivé très très près de l'aileron arrière de Zhikov. Effectivement. Du coup, Lynn, ça a perdu un peu de temps là. Il se retrouve un petit peu loin. Allez, Provençal. Pour un seul, faut tenir, mais le problème, c'est qu'il a 3 secondes donc. Derrière, ils ont tous. Alors, pénalité. Ils ont tous 3 secondes derrière lui. Ouais, c'est peut-être Snake qui va pouvoir profiter et remonter 7ème. Effectivement. S'il tient le rythme. Et il va peut-être même déjà les passer parce qu'il est en soft. Effectivement, ouais. Ah oui, il a 3 tours sur ses softs. Il est en Après, moi, soft je et serais derrière. lui, je tenterais pas le Sûrement. diable. Je resterai sagement derrière. Il reste 3 tours. Ce serait un peu dommage de se foutre en l'air pour dépasser des pilotes dont tu sais Effectivement. qu'ils sont déjà derrière toi en fait avec les pénalités. Mais bon, après, des fois on veut dépasser. Ah, si on a un peu sanguin. Ah, il va tenter le Problème, c'est. dépassement sur Leeds. Ils ont tous le DRS. Donc, du coup, ça va se jouer à celui qui a les pneus les plus frais ou plus Ouais, tendres. bah c'est justement Snake qui en profite. Et ça va jouer en défaveur de Linz qui va perdre du temps du coup sur Zhikov. Provençal, 3 secondes de plus. Non, mon cher ami Provençal. Qui Ah, sort c'est des points? terrible. Qui sort des points, ouais, avec 6 secondes là, ça va être. Gohanzio, 3 secondes aussi. Effectivement. Et on a Bigoud hein, qui est revenu à 2 secondes 5 de l'Ungred, mais qui a 3 secondes toujours. Du coup, ça reste compliqué là pour Bigoud. Alors on a Snake qui attaque Zhikov dans la ligne droite. Il va le prendre au freinage. Oh, c'est joli de la part du pilote Red Bull. Ça passe tranquillement. Joli dépassement. Il va pouvoir s'attaquer à Provençal du coup maintenant. Ce soir. Mis à part toute la pluie de pénalités. C'est clair que il y a de beaux dépassements là. Peut-être que Alors. c'est même pas des pénalités pour manœuvres dangereuses ou des contacts. C'est juste des hors-pistes, quoi. Ouais. Et on a Chomi qui dépasse Alex à la sortie de la première ligne droite. Et ça va passer. Peut-être Alex va retenter le freinage ici. Oula, il touche attention l'AlphaTauri. Ou c'est un peu limite là. Du coup l'AlphaTauri, n'importe quoi, l'Alfa Romeo. Décidément, c'est peut-être moi qui ai bu ce soir. Et on a Snake qui double Provençal. Merde, c'est dans l'autre sens. Vite! Ah non. Ah, ils ont Ça dû. continue qui va ramener de gros points pour Alfa Romeo constructeur. Hein. Effectivement, ouais. Un point. Alfa Romeo qui a gagné au change hein, sur ce nouveau pilote. Voilà. Qui remonte bien l'équipe. Bien que je n'avais pas à plaindre avant avec avec le pilote précédent, mais bon. Et du coup, je ne me trompais pas hein, sur. Ce fameux pilote, quand il remplaçait en Ligue B, il a parfaitement le niveau Liga à la preuve. Hein. Il est deuxième. Il est deuxième, ce très cher Lundgren. DJ en Libye, quoi. Bon, DJ, on n'est pas trop allé sur lui, les amis, mais bon, voilà, il met 20 secondes à Lundgren avec des hards qui ont 20 tours. Autant dire que il fait sa course. Et on va rentrer dans le dernier tour de ce Grand Prix, les amis. DJ, pour moi, il roule le coup de la portière. Ah oui, la petite clope, les Voilà. pantoufles. Le peignoir, il n'est pas inquiété quoi. Allez, on a JB. Ah, Opti qui Optite, prend 3 secondes de nouveau. il ne reste que 3 pilotes actuellement qui n'ont pas pris De pénalité, ouais. de pénalité, hein. DJ, Lengred. Allez, JB qui Alors, va tenter le dépassement sur Zereven. Romain et Snake n'ont pas pris de pénalité. Ça va passer. Ça se défend la McLaren qui ne lâche pas Allez, l'affaire. Romain, allez. Et c'est passé. C'est passé dans ce dernier tour. Alors peut-être que Zereven va tenter de se rapprocher dans la ligne droite de JB. La folie, Ruben. Malheureusement, JB. Tente, ils garderaient tous les deux leur 5e et 6e place. Ouais. JB a un petit peu moins de RS que Zereven. Qui va peut-être réussir à l'avaler. JB qui va défendre l'intérieur.
Allez, Zeriven qui va quand même. Oh là là, c'est Oh, c'est passé. joli la part des pilotes McLaren. Qu'est-ce que c'était beau. Mais du coup maintenant JB à l'aspi. Ouais, mais là, ça va être très compliqué de dépasser dans cette Et magnifique dernière partie. de DJ. Mais pardonnez-nous, on reste sur la bataille entre Entre Zereven et Zereven et JB. JB, ouais. Qui se battent pour la sixième, cinquième place. Une place. Ouh là là, ouh là, JB qui a failli tout perdre ici. Ça va lui mettre un petit coup, un petit coup de rappel. Je pense qu'il va se calmer pour les trois derniers virages. Et Snake à 6 dixièmes de Provençal, mais qui va être trop loin. De toute manière, il va passer devant avec les pénalités. Eh ben, quelle bataille pour la cinquième place. Ouais. Et Lins qui tente le dépassement dans le dernier virage. Et qu'il le fait. Il le fait. Très beau dépassement. Il est passé devant Zykov dans le tout dernier virage. Très beau dépassement Un ici de la part de la Racing Point. grade à crever. Lungred a crevé? Un à crever à l'avant-droit. Incroyable, j'ai jamais vu ça. C'est déjà arrivé une fois. Aïe Ça aïe arrivait aïe aïe aïe, souvent et en Famas qui 1. spin dans le dernier virage. Oh là 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 là, Alex. Et qui va perdre 3 places du coup avec ça. Puisque Beschumacher va passer devant lui. Et ainsi se termine ce GP. Les chômeurs qui prend 5 secondes. Encore. Pénalité non Ouais, il effectuée. a pas fait son drive-through. Et Ria qui Lundgren va clôturer ce termine GP avec. en passant la ligne. Et voilà. Bien, très beau GP. C'était Excellent GP. sympathique. Et pilote du jour, Bigood, qui finit deuxième en étant parti 17e, quelque chose comme Voilà. ça. Incroyable. Voilà. Mais apparemment, il y a de l'IndyCar. Donc, juste le temps de lancer. Ah. Non, c'est pas la Formule 1 que je veux voir. C'est où? Ah, voilà. Je reviens. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Zereven est dispo pour interview. D'accord. Eh bien, on va l'accueillir, ce petit Zereven. Eh bien, je vais aller le chercher. Je te prie. Je vais du coup me Voilà. remettre sur la bonne scène. Nous revoici, les amis, Ok. pour ce Grand Prix de France. Oh putain. Il m'a encore viré les droits. Ah. Est-ce que je peux? Zereven. Est-ce qu'il est... Tu l'as? Hop, je l'envoie un message. Je peux pas switch non plus. Mais tout à l'heure, on avait fait un test, mais pouvait déplacer. Ouais, je sais pas, ils m'ont dû me changer les. Je peux pas le faire non plus. Mon cher Zereven, nous attendons de pouvoir te faire venir dans le Ah, bah, il lobby. l'a fait tout seul. Yo, comment que ça va là? Eh Ah, bien, bah, ça va bien. bonsoir. Ça va, ça va. Alors, Après raconte-nous un cette peu cette belle bataille. course. Ah, j'y croyais pas. Genre, j'y croyais zéro. J'ai réussi à me qualifier PC, je ne sais par quelle sorcellerie. Les portugais. Ah ouais, mais gros, je sais pas comment j'ai fait pour qualifier P6. Et après, j'ai suivi un rythme de course en restant le plus propre possible. Et puis d'un coup, bah, je vois que JB, il a pas réussi à sortir des stands. Il avait trop de monde derrière lui. Et du coup, c'était la bataille depuis le tour 12, je crois, ou 13, avec lui. Ouais, vous êtes resté très proche la bonne moitié de course, hein. On Ben, en était fait, je voulais très juste souvent rester sur derrière vous. lui pour save de l'essence et de l'ERS, quoi. Bah, nous, on s'est dit que tu restais derrière vu qu'il avait des pénalités pour Non, parce avoir ta place que j'en facilement. avais. Non, non, parce que j'avais deux sorties de piste aussi. Et en fait, il en manquait plus qu'une pour que j'aie les 3 secondes. D'accord. Et je me suis dit, je vais juste rester derrière lui. Bah, déjà parce qu'il a la pénalité et pas moi encore. Il y a ça. Et pour le RS, quoi, parce que c'est juste trop chiant à charger le RS sur ce circuit. Effectivement, ouais, le RS, il y a beaucoup de lignes droites, du coup, très compliqué de le recharger, hein, Ouais, malheureusement. bah juste en restant derrière lui pendant un relais, j'ai pu monter de 10% à 80%. D'accord. Donc sauvegarder genre un tour de plus de carburant. Donc c'était le bon truc à faire. Tout à fait, ouais. Et puis il m'a fait transpirer hein, le vieux là. Ah, il Hop s'est le vieux. défendu, hein, Ah oh, il putain, s'est le vieux, il défendu. m'a fait transpirer, hein. Putain. L'ancêtre.
Ah la vache. Et Ah c'était ouais, des non. belles batailles, vous êtes bien respecté, en tout cas, il n'y a pas eu de. Ah oui, non. Il n'y a pas eu Oui. de dinguerie, donc Bah, très c'est pour bien. ça que bah, je préfère la faire avec JB. Hein. Ouais, Bah, surtout que JB est très propre en piste, il n'y a c'est pas à propre jour. et tout ça. Donc, il n'y a pas. Puis, j'ai eu ma vengeance sur Monaco, donc. Et puis, ça me plaît. Et bah, C'est ça qui l'important, plaît. c'est que t'aies pris du plaisir, en tout cas. Carrément. Et on a les groupies hein, dans le chat de Noyo. Hein. Ah là, Apparemment. Noyo, sur le chat Twitch, ils étaient en feu, les mecs. Hein. Ah ouais, il arrête pas, le petit Alpha, là, depuis tout à l'heure. Allez, Noyo, bah, la Alors. course est terminée, mon cher Alpha. Hein. Donc là, le classement est fixé. Merci beaucoup, bah, Noyo, pour ton follow. Bienvenue, frérot. Ça fait très plaisir, merci à toi. Très belle course. Bah, peut-être qu'on a d'autres personnes qui Alors, on veulent va passer. monter Famas. Eh bien, montons Mais Famas. c'est vers Bah, là, on te c'est remercie du parti. coup, mon cher Zereven. Voilà. Et bien, Merci bonne à fin vous. de stream. Bah, merci beaucoup. Bonne Merci à fin de toi. soirée à toi. Salut. Allez. Bien le Et bonsoir, bonsoir, mon cher Famas. Alex. Ça vous allez bien? Bah, Bah, ça ça va va et bien, toi? toi? Ah, je suis super content de ma course, même si je finis P16. Ouais, Ouais, tu t'es la bien vie, ça amusé. bataillait dans tous les sens. Vous avez vu? Ouais, Alors, non, j'étais vous avez à filmé un Nicolas peu la Jean-Paul, P, puis on pour la tournait sur tout le P14 monde. là? On Avec a Noyo suivi, ouais. et comment il s'appelle? Machi? Ou non, je sais plus comment il s'appelle. Chomi. Chomi. Machi. Oui, on a pas mal suivi le combat. Hein. Vous êtes bien battu pendant plusieurs tours. C'est On est trop fait kiffant. sur vous. C'était pas mal. Il n'y a Ça a pas eu été de. propre. Oui, Et voilà surtout, ce ce que qui j'allais était dire. beau, c'est que c'était propre. Il n'y a pas eu de Ouais. pénalité pour collision, des trucs comme ça. C'était Ouais. archi propre. Vous êtes bien Bon, respecté, bah, c'était j'irai voir cool. le replay alors dans ce cas si on voit un petit peu Ouais, tout on est ça. Ça resté doit être sur vous intéressant quelques en vue tours. Ouais. externe. On était resté Après, je dois sur vous. avouer qu'on a passé aussi pas mal de temps à la fin pour la bataille pour la 5e place. Oui, non, mais après, je te demande, Mais heureusement que vous on n'avez a pas essayé de passé tout le regarder temps un peu sur la tout le monde. P14. On a essayé de regarder un peu tout le monde, mais c'est vrai qu'on est resté pas mal sur vous à un moment parce que vous arrêtiez pas de J'étais vous quand même battre et dixième. c'était très intéressant à regarder. Bah, surtout, moi, j'avais les pneus éclataxes parce que je m'étais arrêté au 7e tour, tandis qu'eux, ils sont arrêtés vers le 14, je pense. Ouais, Je du sais pas coup, si vous t'étais en voyez le nombre de tours sur désavantage. les blancs. Oui, j'avais mis les pneus, donc il y aura l'info. Là, je t'avoue que de tête, je me souviens plus, mais Ouais, en tout cas, mais il y a l'info des je dois pneus, avoir donc 7 tu tours pourras de voir plus ça. ou un truc du genre, tu vois. Puis j'ai fait une petite faute au début aussi. Au 7e tour, là. Je suis parti en tête à queue. Je crois qu'on l'a vu ça aussi. En tout cas, on a vu ton dernier spin à la toute fin, au dernier Ouais, je me virage. suis dit, de toute façon, on est P15, autant tenter. Oui, Et ça passe au 5-4. mais en tout cas, ouais, c'était une très très belle course. Vous avez offert du bon spectacle. Hein. C'était très agréable à regarder. Parce que moi, j'ai rien suivi, j'étais tellement focus, je savais même pas à quelle position j'étais. C'est qui a gagné? C'est DJ. C'est DJ. DJ qui a DJ. gagné avec presque 20 secondes Lundgren. sur Lungred qui Qui a est réussi bien à remonté, crever à la fin. qui a crevé, ouais. Son Ah avant-droit qui a crevé. Ouais, Son ouais. avant-droit a Et il a crevé, réussi ouais. à finir à temps quand Il a même. terminé. En fait, j'ai l'impression que le pneu avant, il a éclaté. Enfin, il a crevé Dans les derniers virages, ouais. dans le dernier Ah, virage ok. ou sur la ligne droite après la ligne d'arrivée. Et en troisième Ok. position, Et on en a troisième, ouais. Bigoud, je crois. Bigoud. Ouais, parce qu'ils avaient assez d'avance Ouais, pour pas se prendre les 3 secondes. sur Romain. Et JB? JB finit 6. Ok. Et Ah, mais quelle c'était. est la meilleure stratégie du coup alors de ce que vous avez fait au Je pense que c'est carré? celle de DJ. Qui a fait? Soft Il a fait hard. soft hard. Ouais. Ah bah tu vois, moi aussi j'ai fait soft hard et pourtant. Après je suis parti 20e aussi, donc bon. Bah, Ah. là, tu aurais dû faire de l'inversé, tu vois, parce que Bigood, c'est ce qu'il a fait. Il a fait medium soft Bigoud l'a fait et medium il est soft. passé de la 17e place à la 3e, quoi. Ouais, mais il faut les tenir les medium soft quand Ah, même. il faut les tenir, Fallait ouais. les tenir, ouais, ils ont été jusqu'au tour. C'est bah jusqu'au ouais, à C'était 17, 100%, un quoi. truc comme ça. C'est Parce que déjà que moi, Lundgren qui a 7 fait tours pareil. sur mes soft 9, j'étais à 50%. Ah oui, Donc, ouais. effectivement, ouais, donc ils étaient au bout. Bah, c'est pas pour rien que Lundgren a crevé, à mon avis. Hein. C'est vraiment qu'ils ont poussé les pneus au bout du bout, comme on dit. Leurs pneus, ils étaient à bout. Ouais. Bah d'ailleurs, Lundgren se propose à l'interview. On va pouvoir le Et prendre ben, je vais ouais. lui laisser ma place Et avec le grand plaisir. questionner. Bah, merci beaucoup à Merci toi, à vous les gars, en tout Famas, hein. cas. Merci à toi, Avec Famas. Je dis à plaisir. plus. Ciao, Bonne ciao, plus tard. soirée. Salut. Hop, déplacer vers live. Et salut, Langred. Salut, Eh bien, bonsoir. le Bonjour. bonsoir. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien, je vous avoue. Ouais, tu Après, nous as tu es de fait la un deuxième très place, très hein. beau GP, là, dis donc. Bah, ouais, j'étais un peu paniqué au début parce que j'ai eu un problème de pédalier juste avant la course. Ah. Oh, putain. Et du coup, j'ai changé mon frein pour la pédale d'embrayage. Du coup, j'ai eu un peu de mal des fois Ah oui, carrément, avec mon pneu. t'as réparé ça
Sur le moment, quoi. Ouais, j'ai fait ça à la va-vite, mais au final, c'est plutôt bien passé. Bah ouais, tu Du nous coup, fais je suis une belle content. deuxième place. T'étais parti Ouais. combien? Je me souviens plus par contre sur la grille. Dans les derniers, Treizième, il me hein. semble. Ouais, Ouais, t'étais j'étais dans le onzième, top non? 10, quoi. C'était pas onzième? Non, c'était Je sais Provençal plus. qui était onzième. Oui. Ouais, Ouais, j'étais 13e. bah Et je tu nous as fait surveillais une belle Bigwood qui remontée. était derrière moi. Puis nous a fait une Hamilton à finir sur trois roues, apparemment. Ouais, j'ai crevé à deux virages de la fin. Et D'accord, et tes pneus, ils comment étaient tu à fais combien pour de faire pourcents? arriver en deuxième place? Mon pneu avant gauche, il était à 84%. Et c'est mon pneu avant droit qui a crevé. D'accord. Putain. Donc bah J'ai eu comme de la quoi, chance, franchement. la légende est véridique, hein. On peut bel et bien crever si on pousse trop les pneus. Ouais. Ah oui, mais on peut crever, hein. C'est J'avais véridique. Mais C'était très celui qu'en très fait qui très avait très le mieux belle course, crevé. hein. Ah, merci. T'as bien remonté, hein, justement, quand t'es ressorti avec tes softs, t'as fait plusieurs dépassements très très rapides. T'as regagné 3 ou 4 positions, je crois, en l'espace de 2 ou 3 tours. C'était beau, on a vu ça Ah, je par moment. savais que quand je me suis arrêté, je savais que Bigwood il allait s'arrêter un tour après moi, donc fallait pas que je perde de temps quoi. Ouais, il fallait Oui. enquiller, ouais. Ouais, voilà. Fallait y aller, ouais. Non, Ouais. c'était vraiment une très belle course, très intéressante. GG à toi, en deuxième place. C'est Ah, nickel. merci. Hein. Course. C'est Merci nickel. En beaucoup. étant parti mid-gris, même plus que mid-gris, c'est franchement bien. Hein. Ouais, Franchement je suis bien. vraiment Bon, très DJ, content. hein, toujours indétrônable, malheureusement, Oh, mais. DJ avec ses hards. En Ah, je me suis dit peut-être je vais pouvoir y fin de aller, mais course, non. peut-être, non, non. Ah oui, t'es encore quasiment 20 secondes devant toi, je crois. 20 secondes, ouais, plus de 20 secondes après que j'ai Hein. Ah crevé, ouais, du coup. c'est rapide. C'est inatteignable Mais ce ouais, 20 DJ, hein. secondes. Il joue Très très fort, DJ. dans une autre catégorie. Ouais, mais je reste content d'avoir battu Bigwood, quand même. Oui, enfin, déjà le faire pour battre Bigwood quand même. mais pour défendre Bigwood est parti de bien plus loin que toi. Bigwood, 17ème, hein. Ouais. Bigwood 19e, mais... 19 ou 17, je sais Voilà, plus. c'est pas grave. Et C'est un vrai, petit d'ailleurs, détail. on était très, comment dire, surpris qu'il nous fasse une 19ème place en qualif. Calife, On ouais. a Moi pas aussi. trop compris. On aurait aimé l'interviewer, mais c'est pas proposé. Il est peut-être en live, je pense. Je Je pense qu'il sais, est je en pense live. aussi, ouais. Je sais pas trop. Mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir la réponse pourquoi il nous a fait une 19e place sur cette qualification. Parce qu'on était très étonnés pour le coup. Mais bon, Bah, ça lui a trop. réussi quand même. Hein. Il a fait de 3e. Bah, ouais, au final, Au podium. final, c'est pas Ça plus va. mal. Très bien. Bah écoute, moi j'ai plus de questions. T'as d'autres questions, mon Moi cher non plus. Bah Miquelito? écoute, non. Tu nous ramènes des gros points au championnat, moi Pour ça me va. Alfa Hein. Romeo. Voilà, tu Voilà. remplis les poches d'Alfa Romeo, c'est parfait. Et je m'en s'en va un peu de Red Bull. Surtout, ouais, parce que les Red Bull finissent plus loin. D'ailleurs, Red je Bull vais qui nous afficher le collait un peu classement trop. Ça me plaisait pas. constructeur. Voilà. Ouais, ils étaient Qui un on peu trop voit. collants, les Red Bull. Ouais, c'est ça. Effectivement, ouais, là, vous aviez seulement 8 points d'écart. Bah là, il va y en avoir beaucoup plus. Hein. Il Ouais. va y en avoir beaucoup plus des points d'écart maintenant. Bon, Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Parfait. merci à vous, les gars. Bah avec Bah, merci plaisir, à vous avec pour cette plaisir. magnifique course, hein. Ah. C'était super à regarder, franchement. En plus, Bah, je regarderai il n'y la a pas eu rediff. d'incident. Enfin, en tout cas, on n'en a pas vu, Et nous. ouais. Euh, Donc, non, c'était c'était très propre. vraiment Alors, au début propre. de course, il y a quand même eu un contact entre deux voitures devant moi. Il y avait Lynx, je crois, qui était impliqué, et je sais plus qui, mais sinon, à part ça, ouais, c'était très, 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 Ah, ça, on a pas. Enfin, moi, j'ai pas vu personnellement. très propre. On s'est pas rendu compte. Et Romain qui dit GG dans le chat. Bah GG à toi aussi Romain, t'as fait une très très belle Ouais, course. Hein. GG à Romain, il m'a fait peur. Il Je a. pensais Ouais. qu'il allait savoir me remonter, mais. Et il est resté derrière. Bah derrière toi. Derrière Enfin non, Bigwood. derrière Bigood. Ouais. Je crois qu'il a fait quatrième, quelque chose comme ça. Donc Très belle une très quatrième belle place aussi. course. Très très belle course. Est-ce qu'on a Bon, d'autres merci à vous. prétendants? Bah il n'y Non, a pas de quoi, je vais Lundgren. aller. Bonne soirée à toi. Merci d'être passé. Et bah, pas de soucis. Et Bonne fin de soirée à à vous. la prochaine. Merci À beaucoup. plus, Ingrid. Ouais. À plus. Du coup, et on a d'autres candidats? J'ai Non, pas vu, je crois pas. c'était Hein. les seuls qui se Je sont crois qu'on a fait le tour, hein. présentés. Effectivement. Merci, belle course pour toi aussi, Lundgren. Bon, bah voilà, il est parti, Romain. Mais voilà, on le dit, il l'entendra peut-être sur le replay. En tout cas, GG à tous les pilotes, hein. Ça a Exactement. été vraiment un Voilà. beau GP. Très très Un beau GP. plaisir. Un plaisir à Un regarder. plaisir. Effectivement, je Et regrette à pas. commenter surtout parce que on s'est pas Oui? ennuyé une seule seconde. Ah oui, c'est clair qu'il n'y a pas eu de moment On n'a pas eu creux le temps. où on ne savait pas trop quoi faire, où fallait meubler, parler de notre enfance, ce genre de truc. Non, là, On n'a ça pas allait. eu Hein. une seule seconde de C'est clair. s'ennuyer. C'est clair. Bon, bah voilà, bah, les petits amis, du coup, le stream va toucher à sa fin. Et Alpha qui nous dit encore on veut Noyo. Bah écoute, il ne s'est pas proposé.
pour l'interview. Malheureusement, mon cher Alpha, je suis navré. Je ne le vois même pas sur Discord d'ailleurs. Ou alors il a un autre pseudo, mais je ne le vois pas. Moi non plus. Bah du coup, mon cher Mikilito, on va se laisser là. Je vais te dire bonne soirée à toi. Eh bien, bonne soirée à toi aussi, C'était mon un cher Nicolas. plaisir de commenter ce GP avec toi, au plaisir de Voilà. recommencer une autre Eh fois. bien, carrément. Les petits En viewers sur espérant le avoir live. toujours des belles batailles. Ah bah oui, il nous reste 3 GP du coup. Le prochain sera la Belgique. Donc on vous donne rendez-vous dimanche prochain La semaine prochaine, hein, à pour le Spa Grand Prix de Ligue 1 Belgique. pour le Grand Prix de Ligue B de Belgique exactement. Voilà les amis, ainsi touche à sa fin le live. Merci à tous de l'avoir suivi. C'était vraiment un plaisir de le suivre avec vous. Je vous invite à follow si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson et on se retrouvera du Voilà. coup la semaine prochaine à 21h, enfin 20h30, Voilà. dimanche pour le GP de Spa en Belgique. Allez, on vous fait des bisous avec Mikelito. Et bonne À soirée à tous. bientôt. Ciao, ciao.